Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Nuit du Sport sur STV comme chaque mercredi soir. Sur la route des Rio 2016, l'équipe nationale de volleyball dames est déjà fixée sur ses différents adversaires de la phase de poule. On va en parler dans un instant dans le cadre de la pause actuelle. Pendant ce temps, l'équipe nationale de football masculin du Cameroun poursuit sa préparation à Nantes. C'est en prélude au match amical France-Cameroun qui va se disputer le 30 mai prochain. On aura les dernières nouvelles de la tanière, on l'espère bien, avec le team press de l'équipe nationale en direct de Nantes. Et puis le débat de ce soir, football, sponsoring des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, qu'est-ce qui coince? Ce sera la problématique du débat contradictoire et interactif tout à l'heure. Dans quelques jours, notamment vendredi prochain, la Ligue de football professionnel du Cameroun sera face au patronat ici même à Douala. Il sera question pour la Ligue de présenter aux entreprises les avantages prévus par la législation si justement ces entreprises venaient à sponsoriser le championnat. Mais depuis évidemment le lancement ou alors la mise sur pied de cette rencontre, puisque ce ne sera pas la toute première fois qu'une telle rencontre est organisée, ça ne semble pas suivre véritablement sur le terrain. Donc on tente de savoir qu'est-ce qui coince vraiment et quelles seraient justement les pistes de solutions pour permettre à ce que le championnat national soit véritablement financé par les entreprises à côté de l'apport de l'État et de la Fédération camerounaise de football. Voilà pour les grandes articulations de l'émission de ce soir. Quatre invités comme d'habitude pour vous accompagner jusqu'à 23h30. Je vais commencer par un invité qui nous vient de la capitale Yaoundé, le docteur Serge Mbappé. Bonsoir, docteur. Bonsoir à toi, Makeda. Bonsoir au riche panel. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la STV. Merci d'être avec nous. Vous avez tenu à ce qu'on vous présente comme business scientist. Oui, c'est parce que j'ai eu un PhD, in business administration aux États-Unis, majoring in leadership. Donc, je suis un scientiste du leadership, un scientiste du business. Voilà. Ah, c'est vrai qu'antérieurement, je suis économiste pour avoir obtenu un troisième cycle dans les universités parisiennes, ouais. et puis un diplôme d'études supérieures de banque, mais je préfère maintenant qu'on me présente avec ma casquette la plus récente. Très au fait aussi de l'actualité football. Oui, je suis un ancien président de club, je suis ancien président du Kabat Football Club, deuxième division, ancien dirigeant du Canon Yaoundé, directeur du marketing du Canon Yaoundé sous Eyebe Lobogo et Abega Théophile comme directeur général, étant ancien joueur du Canon Yaoundé, minime, cadet junior, senior et sociétaire du Dragon de Yaoundé avec Onana Jules Denis, Pogman Boulte Cameroun et que sais-je encore. Donc, je suis vraiment un érudit du football. Merci d'être avec nous ce soir. En face de vous, Maître Désiré Sikati, avocat. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Makeda. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Sur ce plateau également, Serge Kamdem Kouam, le DG de Fovou Club de Baran. Bonsoir Serge. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et bonne émission à tous. Un Serge peut en cacher un autre, Serge Jambo. Bonsoir, analyste de sport. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je suis très très content de retrouver Maître Kati et de Serge sur le panel. Voilà, c'est vraiment la fête de Serge. Voilà, en tout cas, nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. On va donc démarrer cette émission comme d'habitude par quelques faits et remarquer l'actualité. Et c'est avec une note sur le volleyball que nous ouvrons cette pause actuelle. C'est pour signaler que le Cameroun est donc fixé sur ses différents adversaires de la phase de poule. En ce qui concerne les prochains Jeux olympiques, le Cameroun qui est donc logé dans le groupe A après le tirage au sort. Et comme adversaire, ce sera le Brésil, la Russie, le Japon, la Corée, l'Argentine. L'équipe nationale de volleyball dames qui justement continue de se préparer par rapport à cette compétition, préparation à Yaoundé. Il y a aussi une mise au vert prévue du côté de l'Espagne avant de mettre le cap sur Rio au Brésil justement.
Et toujours en bref, dans cette pause actuelle, une note sur le Sambo pour signaler que le Cameroun s'apprête à participer au championnat d'Afrique de Sambo qui va se disputer du côté de Niamey au Niger. Et en football, cette fois, on va rapidement parler de cette composition de la phase de poule qui est déjà connue après le tirage au sort effectué au niveau de la Confédération africaine de football. Voilà pour ce tirage, Serge Zambo. Peut-être une réaction? Oui. La réaction, elle est là, elle est visible, elle est née. Il n'y a aucun club camerounais qui figure dans cette phase de poule. Mm-hmm. Autant dire que le football camerounais, une fois de plus, est un tout petit pas à la traîne. Je dirais même pas et à la traîne. Mm-hmm. Et j'ose croire que ce que nous disons ici portera forcément des fruits pour des habitudes, pour des événements futurs. Mm-hmm. Donc on a le tout puissant Mazembe qui est là, mm-hmm. on a les étoiles du Sahel, donc c'est rebelote, les mêmes équipes qui reviennent. Les mêmes absents alors. Les mêmes absents également, quand on sport qui n'est plus là. Et peut-être, on aurait peut-être pu passer un moment que Union pourrait faire l'affaire, mais mm-hmm. ils se sont butés à une équipe maghrébine assez costaud. Et c'est pas passé. Peut-être que l'année prochaine, ça passera. Peut-être l'année prochaine, Serge Kamdem. Oh, disons que l'année prochaine, c'est le club camerounais. Ça reste un vœu parce que sur le terrain, quand même, il y a beaucoup à faire. Hein. Ouais. Je pense que nous voyons un coton qui, il y a quelques années, qui s'y retrouvait. Et aujourd'hui, avec les ajustements qui sont faits, on a vu une équipe de coton plutôt qui est dégressive sur le plan des résultats. Vous comprenez que le plus gros budget du Cameroun, pendant qu'elle n'arrive pas à tutoyer les plus gros budgets d'Afrique, ce serait difficile pour les autres en dessous. Maintenant, le foot restant quelque chose de passionnant et avec une exactitude au niveau des résultats sur le terrain, peut-être qu'un club camerounais pourrait encore faire la fête, mais il y a un travail de fond qu'il faut faire pour faire ce genre de rêve parce que ça reste encore une utopie pour nous. Alors, on va passer cette fois à ce match amical très attendu entre la France et le Cameroun, prévu donc le 30 mai prochain du côté de Nantes. On va quand même constater, Maître Désiré Sikati, que l'équipe nationale, évidemment, continue sa mise au vert du côté de Nantes. Mais de plus en plus, il y a aussi cette polémique qui continue depuis la convocation de Driss Carlos Kameni pour remplacer André Onana, qui a été donc écarté du groupe pour indiscipline. Bon, honnêtement, moi, en ce qui me concerne, j'ai du mal à comprendre cette polémique parce que déjà, je pense que dans le football professionnel, l'entraîneur est le capitaine du navire. Oui. Voilà, donc le football professionnel a ceci de particulier que c'est un secteur où règne la concurrence entre les acteurs. Ça veut tout simplement dire qu'a priori, aucune place n'est gagnée à l'avance. Oui. Voilà, dans le football professionnel, on ne peut pas revendiquer une place tout simplement parce qu'on a un nom. Ce qui fait en sorte qu'on mérite sa place, c'est le fait qu'on soit toujours compétent, qu'on soit toujours le meilleur. Ça, c'est déjà, c'est le premier critère qui permet dans le football professionnel de choisir les joueurs qui vont évoluer. J'ai entendu certaines personnes critiquer l'entraîneur parce que pour ces personnes-là, l'entraîneur a traité Kameni comme étant un bouche-trou. Oui. Je pense que... C'est pas la même lecture que vous avez, justement. Non, c'est pas la même lecture parce que j'étais en train de vous dire tantôt que l'entraîneur est le maître de son équipe. Oui. Ça veut tout simplement dire que lui, il décide du choix des joueurs en fonction du rendement de chaque joueur. Et dans le football professionnel, parce que Kameni, il joue à Malaga, il a été blessé pendant un certain nombre de temps, il est revenu, il ne me semble pas qu'il a joué. Donc, ce qui veut dire que forcément, Kameni, pour le moment, de façon assez logique, il n'a pas la forme qu'il avait il y a de cela 2 mois. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut dire que Kameni, au regard du nom qu'il a au sein de l'équipe nationale du Cameroun, d'office, quand l'entraîneur le convoque, c'est pour la première place, je veux dire, être gardien de but titulaire, je dis non. Je dis non tout simplement parce que aucune place n'est gagnée à l'avance. Vous voyez, donc, pour moi, l'entraîneur... Malgré l'ancienneté... Non, il n'y a pas question de l'ancienneté parce que, voyez-vous, je pourrais vous citer toute une pléthore de joueurs qui, en dépit de leur passé, l'histoire qui caractérise leur nom au sein de leurs différentes équipes nationales, bon, à un certain moment, ils se sont retrouvés sur le banc de touche. Mmh. Je ne voudrais pas parler des joueurs comme Thierry Henry parce que vous savez très bien que lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, bon, il était pratiquement sur la touche. Pourtant, ce sont des joueurs qui ont des noms. Donc, je veux tout simplement dire qu'aujourd'hui, il faudrait que nos joueurs apprennent à respecter les mêmes valeurs
qu'au sein de leur club. Parce que lorsque Kamini, il est mis sur la touche à Malaga, je ne suis pas sûr qu'il prend ça de la même façon qu'il le prendrait lorsqu'il est mis sur la touche ou bien lorsqu'il est appelé pour remplacer un gardien qui a été mis sur la touche pour des raisons d'indiscipline. Donc je dis tout simplement que moi je voudrais plutôt féliciter cet entraîneur parce que bon, pour un début, j'ai l'impression qu'il donne, c'est qu'il a de la poigne. Il voudrait faire comprendre à chacun qu'il n'y a pas de place gagnée à l'avance, contrairement à ce qui s'est passé avant. Voilà, parce qu'avant, vous aviez... Le Cameroun, c'est le seul pays où vous avez un certain nombre de joueurs qu'on a qualifiés de cadres. Cadres et qui, a priori, sont des joueurs indéboulonnables et qui ne sont pas sélectionnés sur la base de leur rendement, mais qui sont plutôt sélectionnés sur la base du nom qu'ils ont eu à l'équipe nationale. Donc, je dis, l'impression que cet entraîneur me donne... Pardon, c'est qu'il est en train de rompre avec cette habitude-là. Et peut-être qu'il faudrait Kamini. Bon, c'est quand même un grand garçon. Ouais. C'est un joueur qui a une forte expérience. Je pense qu'il n'est pas loin d'avoir 35 ans. Il connaît parfaitement le monde professionnel. Voilà. Donc, vous vous souvenez à l'époque quand Kamini, il a gagné les Jeux Olympiques avec l'équipe du Cameroun à Sydney en 2000. Ouais. Après les Jeux Olympiques, en dépit de la prestation, la grande prestation qu'il avait eue pendant ces Jeux Olympiques-là, il avait eu vraiment du mal à s'imposer en club, à avoir le statut de professionnel. Voilà. Donc, c'était tout simplement pour dire que cet entraîneur, pour moi, il est dans son rôle. D'accord. Respectons les valeurs du professionnel. On va mettre le cap sur la France, notamment à Nantes, pour retrouver AVP, Vincent De Paul Atanganalo, team press de l'équipe nationale de football du Cameroun. AVP, bonsoir, vous nous recevez? Bonsoir, bonsoir à tous. AVP, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous entends parfaitement. Bonsoir, bonsoir le plateau. D'accord, merci d'être en direct de Nantes avec nous ce soir. Première question, AVP, quelles sont les toutes dernières nouvelles en provenance de la tanière des Lions? Alors, les dernières nouvelles, c'est que la tanière se touche de plus en plus avec l'arrivée aujourd'hui de Aaron Dimbé, le joueur de Coton Sport de Garoua. Donc, nous attendons encore ici Fabrice Ngouin, qui devrait être là demain, parce que, comme vous savez certainement, il avait un match ce soir. Nous attendons encore. Réunion Studio, qui lui également a encore de l'engagement avec son club. C'est aussi le cas pour Franck Henry, qui lui aussi est attendu, ainsi que Xavier Toff, et puis Bruce Carlos Cabelli, qui ne s'est toujours pas pointé ici du côté de Nantes. Le dernier nouvelle, c'est que le bien redentable a tenu deux séances d'entraînement aujourd'hui. Une première en matinée qui s'est déroulée à Huglon et la seconde qui était ouverte au public. Et les joueurs de la sélection nationale ont pu apprécier le bal, cette goutte de popularité d'antichuistes auprès des Camerounais installés ici en Nantes. Ils étaient très très nombreux à avoir honoré le rendez-vous de cet après-midi. Voilà. Alors, merci pour ces nouvelles, AVP. Mais on a évidemment envie de vous demander, est-ce que vous avez davantage de précisions, par exemple, sur l'arrivée d'Idriss Kameni, quand on voit un peu la controverse qu'a suscité la façon dont il a été convoqué pour remplacer Onana? Bon, je pense que ce que le sélectionneur national a annoncé, le journaliste canadien français qui a pu part à la conférence de presse tenue ici à l'hôtel UR, je pense que c'est que le sélectionneur a donné bien discuté avec Carlos. C'est que Carlos lui a donné des assurances dans sa présence ici au camp d'entraînement, des liens de contact. Donc normalement, il aurait dû arriver cet après-midi. On l'a pas vu, donc je voulais indiquer tantôt. On a dit qu'il y aurait quelques soucis d'être familial, donc on continue à attendre. On verra bien ce que la journée de demain va nous réserver. Donc jusque-là, les personnes à attendre éventuellement qui se mettent. Quand de grands attentats ici à Nantes, même s'il n'est pas là, il sera à Nantes, parce que
Il y a déjà qui me l'a déjà soulevé, depuis l'année Fabrice Ndoua, qui donc vient retrouver l'équipe de Nantes, donc il y a des gardiens de but qui pourront donc honorer les deux rendez-vous que nous attendons dimanche et vendredi prochain. Alors, avant de se séparer, AVP, quelle est l'ambiance même du côté de la France? Comment est-ce que cette rencontre France-Cameroun de lundi prochain est attendue? Bon, je crois que vous parlez de l'ambiance. C'est une ambiance habituelle, une ambiance d'abord de trouvaille. Vous savez, la plupart, sinon tous les joueurs qui sont déjà ici à Nantes sont en fin de championnat. Et vous savez que le sélectionneur a eu, je pense, une idée heureuse, d'organiser ce stage juste à la fin des différents championnats, n'est-ce pas, pour empêcher les uns et les autres d'entrer tout de suite en vacances. Vous savez, on a un match très très important. Le 3 juin prochain, on accepte contre la Mauritanie. Vous savez qu'en cas de victoire, bien le Cameroun sera qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Donc il y a cette ambiance de retrouvailles, mais également il y a le constat autour des joueurs, il y a cette grosse prise de conscience. Les joueurs savent que par le passé, dans un passé, on va dire, très très récent, il y a eu des absences, n'est-ce pas, une absence ou non une absence à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On sait que la Coupe d'Afrique des Nations 2015 s'est mal déroulée pour les gens de notre peuple qui sont sortis au premier tour. Donc les joueurs sont conscients de ce qu'ils n'ont pas droit à faire. Ils doivent, n'est-ce pas, jouer avec beaucoup d'engagement. Ce match contre la France, qui est un match plus prestigieux pour le public camerounais, vu l'histoire que nous partageons avec la France, mais ils savent surtout qu'il faut aller arracher un résultat en workshop. Ce ne sera pas le plus facile. Il faudra aller travailler dur là-bas. Donc, les joueurs, ils travaillent dur pour être à la hauteur de ce plus difficile qui les attend dans les prochains jours. D'accord. Merci bien, AVP, pour toutes ces informations et bon séjour du côté de Nantes. Merci. Bonne suite. Bonne émission. Bonsoir. Merci bien. Voilà, nous étions donc en direct de la France avec le team presse de l'équipe nationale du Cameroun, Vincent Depaule à Tangana. On va retenir Serge Zambo. Il y a Aaron Bimbe de Coton Sport de Garoua qui a rejoint la tanière. Il y a d'autres joueurs qui sont encore attendus. Et parmi ceux-ci, Idriss Carlos Kamini. Ouais, puisqu'il s'agit de lui, moi je ne serais pas forcément d'accord avec Mati Kati tout à l'heure parce que, en fait, Idriss est bel et bien revenu après une blessure, mais il ne joue pas forcément, pas par rapport à son état physique ou alors par rapport à ses prestations. Il s'agit d'une entente entre le club et lui et le gardien Ochoa, qui va effectivement également disputer une coupe très importante, c'est-à-dire la Copa América. Donc on a demandé, il a demandé à avoir un temps de jeu qui lui permettrait quand même de se remettre en bonne forme physique. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Ochoa est en train de quitter Malaga. Et pour pouvoir trouver un club, justement, il fallait qu'il se montre afin qu'il puisse facilement le trouver. Ça, c'est la voie de sortie. Et moi, je dis quand même que si Malaga a terminé 8e à la Liga récente, c'est bel et bien grâce à Idriss Kamini. On a vu beaucoup de beaux matchs qu'il aura fait, par exemple contre le Barcelone ou alors le Real Madrid. Donc, ne pas l'appeler, pour moi, ça relevait un tout petit peu de quelque chose de pas très très correct. Et je crois que... Mais il a été appelé. Voilà, enfin, en fait, dans la première liste, il n'est pas là. Oui. Bon, maintenant, il est là. Parce que, apparemment, peut-être il y aurait eu peut-être des pressions. Indiscipline de la part d'André Onana, qui était attendu, s'est pas pointé à l'heure. Voilà, qui ne s'est pas pointé à l'heure, voilà. Quelque chose de, dans ce sens. Qui son rôle. Bon, et des histoires comme celle-là, c'est des histoires qui ont souvent trait à ramener un tout petit peu l'équipe à la traîne ou en baisse. Il faudrait bien que lorsque une erreur, si je peux l'appeler ainsi, a été réparée, il faudrait bien qu'on se mette ensemble pour
faire la chose la plus attendue, c'est-à-dire faire un bon match forcément contre la France. Ouais. Et ce qui est plus important chez nous, pour nous, c'est le match contre la Mauritanie, à Nouakchott. Mm-hmm. Alors, docteur Mbappé, réaction par rapport à... Réaction. Vous savez que nous sommes des Bantous. Et chez les Bantous, on dit que lorsque vous tombez, il ne faut pas regarder. Mm-hmm. Là où vous êtes tombé, il faut commencer à voir à partir de quel moment vous avez commencé à glisser. Nous sommes ici dans un cas d'envoûtement collectif dans la tanière des Lions Indomptables. C'est-à-dire cette équipe qui est en reconstruction nous offre régulièrement un spectacle désolant. C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'avec la venue d'Hugo Broz, et tout ça, c'est parce qu'il y a un exécutif qui est illégitime là-bas. Donc on s'est empressé à recruter n'importe quel entraîneur, parce que pour moi, cet entraîneur n'a pas le profil pour entraîner les Lions Indomptables. Maintenant, il nous a dit, il a dit à Mondo Vision qu'il sera maître des listes et que si jamais on interférait dans sa gestion du groupe, il rendrait le tablier. Mais que non. Il a bien reconnu que dans la liste qu'il a, la liste qui a été transmise à la Fédération Camerounaise de Football, il y avait le nom d'Idriss Carlos. Hugo Broz a mis le nom d'Idriss Carlos. Mais comment se fait-il qu'au moment de la publication de la liste, que son nom ait disparu? Donc maintenant, on appelle Kameni parce qu'on doit être indiscipliné. J'ai dit, sincèrement, on en a indiscipliné. Oui. J'ai dit, c'est le monde, on marche déjà sur la tête, c'est le monde à l'envers. Donc j'ai dit, il y a un problème au niveau de l'administration, de la gestion de cette tanière. Et nous sommes très, très loin d'être sortis de l'auberge. Voilà, peut-être Maître Sikati va réagir tout à l'heure. Serge Kamdem. Bon, c'est vrai que quand j'entends notre économiste, je suis un peu surpris. Je ne sais pas si officiellement il a été dit que le nom du disque à l'eau était qu'on l'avait enlevé. Parce que je pense que des dernières nouvelles que j'ai eues personnellement, c'est de suivre que le coach, le sélectionneur, a appelé Idriss. Voilà, il a appelé Idriss Carlos. Mmh. À partir du moment où il y a eu le cas d'indiscipline, et ils se sont entretenus, et le joueur l'a rassuré qu'il devait rejoindre la tanière. Bon, moi, je pense logiquement que, analysons les choses de façon très froide. Et je pense que Maître a donné un peu le ton par rapport à la non-convocation au départ d'Idriss Carlos. Mmh. Serge Zambo, tout à l'heure, a développé quelque chose par rapport au parcours d'Idriss Carlos. Personne ne peut ignorer le vécu et l'expertise dont peut jouer Idriss Carlos. Mais maintenant, sachant qu'en sélection, en réalité, on devrait appeler qu'un joueur. Non, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur qui a du vécu. Et qui ne joue pas d'ailleurs. Sa prestance seule peut captiver et motiver un groupe comme le nôtre par rapport aux résultats décevants de ces derniers moments. Mais en même temps, acceptons que quand un joueur est blessé, il doit être mis sur la touche pour que d'autres arrivent. Mais qui a dit qu'il était blessé? Non, il était blessé. C'était officiel. C'est pas parce une rumeur. Non, Serge l'a dit. Mon homonyme a Sauf que Serge estime. Parce qu'il y a eu une entente avec Carlos pour permettre de relancer son partenaire. Non, mais avant donc ça, ce n'est pas à cause de la blessure. Blessé. Au départ, il ne jouait pas. Il est revenu de blessure. Il ne jouait pas. Voilà, il ne jouait pas. Ondoa et Onana sont des remplaçants. Docteur. Dans les divisions inférieures. Docteur, nous sommes d'accord. Voilà. Et Assembe est l'un des trois meilleurs gardiens de Ligue 2, mais nous connaissons tous quel est le niveau de la Ligue 2. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on fasse la langue de bois. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a convoqué. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a convoqué. On l'a convoqué après, mais ce n'est pas Kameni qu'on doit convoquer comme ça dans les. Docteur, ouais. On l'a convoqué et on l'a eu au téléphone d'après les informations que le communicateur vient de nous donner, le Team Press. Il a donné sa parole qui devrait arriver en principe ce mercredi. Ouais. Et on nous dit maintenant qu'il aurait des problèmes. Il n'est pas encore là. C'est inquiétant, c'est vrai. C'est inquiétant parce que. J'ai reçu, j'ai lu quelque chose qui disait que certains membres de sa famille lui demandaient de ne même pas aller. D'accord. On permet à Serge Kamdem de terminer. Si le problème de famille, c'est cette discussion qu'il fait pour rejoindre la tanière, je crois aussi que s'il ne vient pas, ce qui est sur le Cameroun ne va pas s'arrêter maintenant. On va continuer à jouer. Ça, c'est clair. Donc, de façon très, très sereine, évitons de mettre les joueurs dans la posture qui n'est pas la leur. S'il a accepté, en disant à son sélectionneur, j'arrive, l'idéal, même pour le respect de la parole donnée, c'est de venir. Maintenant, s'il voit qu'il ne va pas venir, qu'il a son sélectionneur, je ne pourrais pas venir. Et on va continuer à avancer. La preuve, on a mis certains joueurs sur la liste d'attente. Ils sont déjà à la tanière parce qu'il y a des défections qui sont visibles. On a des joueurs comme Chejou, tout ça, ce qui en compte. Ce qui est sur le match de la France, bien que ce soit un match très, très médiatisé, sera fait avec des joueurs dont on n'a pas forcément l'habitude de voir. La preuve, c'est que notre défense aujourd'hui, j'ai dit à 80%, on est sûr qu'on joue avec des nouveaux joueurs. Donc, on peut avoir un gardien dans les buts qui n'est même pas quelqu'un qu'on connaît, ou bien qu'on a déjà vu jouer, ça peut arriver. Donc, c'est un match amical. Il faut bien qu'on n'aille pas enlever la culotte comme habituellement là-bas, mais au moins,
que les gens comprennent que c'est la nation et que quand on les appelle, c'est ça, ceux qui viennent défendre le drapeau. Ouais. Maintenant, quand on ne veut pas, on dit « je ne viendrai pas ouais. », personne ne va vous arrêter. Mon propos de tout à l'heure, c'est que ça m'embête vraiment de me rendre compte qu'au sein de l'équipe du Cameroun, on a tendance à considérer certains joueurs comme étant des joueurs qui d'office devraient être appelés. Ça ne se passe pas comme ça dans une équipe parce que quand vous raisonnez comme ça, vous remettez en cause la notion d'humilité et l'esprit de groupe et même l'esprit de concurrence qui doit régner entre les joueurs. Parce que vous avez des joueurs qui se défoncent pour être sélectionnés. Si ces joueurs-là se rendent compte qu'il y en a certains qui d'office seront sélectionnés du simple fait qu'ils ont un passé glorieux avec l'équipe nationale, je dis ça pose problème. Je pense qu'il faudrait mettre l'équipe nationale du Cameroun dans un véritable environnement concurrentiel. Et cet entraîneur, l'impression qu'il me donne, c'est qu'il est en train de faire cela. En l'espace de 3 matchs, on voit quand même que bon, il y a un élan de discipline qui n'existait pas avant, qui est en train d'arriver au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Par le passé, on a eu des joueurs qui interféraient ou bien qui étaient de collusion avec l'entraîneur pour mettre certains joueurs, certains de leurs camarades de côté. Donc aujourd'hui, on a quand même un entraîneur qui donne l'impression d'être le véritable capitaine du navire. Voilà, donc je pense que l'équipe du Cameroun n'a jamais eu de joueurs, je pourrais dire, totalement mauvais. Il arrive qu'on n'ait pas une équipe qui est aussi forte qu'on l'aurait espéré. Mais je pense que chaque fois que l'équipe du Cameroun a été disciplinée, chaque fois qu'on a été discipliné, même si on n'a pas eu des joueurs très talentueux, je pense qu'on a quand même eu quelques résultats. Donc pour moi, la première chose, c'est que l'entraîneur est en train d'essayer de faire comprendre à tous les joueurs de l'équipe nationale que désormais, il n'y a pas de chasse gardée, il n'y a pas de place réservée au sein de l'équipe nationale. Et pour moi, Kameni doit comprendre cela. Parce que si vous dites Kameni a un nom avec l'équipe nationale du Cameroun et que d'office il doit être sélectionné, ça veut dire s'il est sélectionné c'est pour jouer parce que de toute évidence il a gagné la médaille d'or avec l'équipe nationale du Cameroun aux Jeux Olympiques. Après ça, il a fini 8e avec Malaga. Il est de tous ces 3 gardiens là, il est celui qui a le parcours professionnel le plus élogieux. Forcément il va être sélectionné, mais aujourd'hui je pense quand même que les critères, on ne sélectionne pas des joueurs dans une compétition professionnelle. On ne sélectionne pas les joueurs dans une compétition professionnelle sur la base du nom. On sélectionne les joueurs. Je suis d'accord avec Serge Zambo que bon, il y a eu une entente avec Ochoa pour qu'il soit en compétition, mais ça veut tout simplement dire que Kameni lui-même a renoncé à se mettre en évidence pour être mis dans un contexte de concurrence avec les autres. Il a préféré se mettre. Comment vous allez, sur quelle base vous allez sélectionner un joueur qui reste sur la touche? Si nous avons 8 matchs et que je joue 31, franchement. Mais il a joué dans un championnat aussi relevé. Maître, ce que vous omettez de dire, c'est que Kameni a reconquis sa place de titulaire au sein de Lyon. Vous omettez de le dire. Quand vous dites qu'il y a des joueurs qui ont le statut de cadre, qui semblent avoir le contrôle. Mais Kameni a joué 2 matchs, il a stabilisé. Le dernier match, il a stabilisé cette défense. Quel match? Ça fait 2 ans que Kameni ne joue pas l'équipe nationale. Kameni a reconquis sa place à partir des performances d'Ndia Sembe et de Ondoa. Non, Kameni n'a pas joué depuis Ondoa. Il a depuis la Coupe du Monde. Non, j'ai dit donc qu'il a pas les pertes, mais on les voit jouer dans les championnats européens. Oui, ça c'est vrai. Ondoa ne joue pas, il est remplaçant. Je pense que en seconde zone, Diasembe est en Ligue 2. Kameni joue à Malaga. Donc j'ai dit, il faut qu'on arrête de faire dans la langue de bois. Kameni mérite sa place. Vous savez, il n'y avait aucune raison. Vous vous rappelez la raison pour laquelle Kameni a été mis sur la touche avant qu'il soit remplacé par Diasembe comment on appelle encore le gardien? Ça fait combien d'années? Non, ça fait à peine. Avant la Coupe du Monde, c'est tout simplement avec Charles Itanche. Charles Itanche a pris la place de Kameni justement parce que Kameni, en dépit du fait qu'il jouait à Espanyol de Barcelone et qu'il était pratiquement l'un des meilleurs gardiens, mais l'équipe nationale du Cameroun n'avait pas le même rendement. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que déporter la performance de Kameni en championnat d'Espagne ne veut pas forcément dire qu'au sein de l'équipe nationale, il a le même rendement. Par rapport aux gardiens qui sont là, il est le mauvais, il est le meilleur. D'accord, oui, Serge Zambo, vous allez rappeler. Je voulais rappeler quelque chose. Il y a beaucoup de petites polémiques, même le fait que Mbia ne soit pas appelé. Il y a eu beaucoup de choses. Or, moi, je tiens à rappeler ici que Mbia a eu un carton rouge contre le Nigeria, c'était aussi un match amical. Donc, forcément, il ne devrait pas jouer le match qui suit. Et même. Le match contre la Mauritanie, alors? Non, peut-être. Je parle du match amical contre. Oui, mais déjà, dans ce cas, il devrait quand même être appelé et ne pas participer au match pour être relancé. Relancé contre la Mauritanie. Bon, il se pourrait également.
qu'il ait demandé une permission par rapport à un match important qu'il a aussi en Chine. Non, bon, ça, attendez. Mais, et puis, je reviendrai sur quelque chose. Metsi Kati, tout à l'heure, il a dit que voilà, ce n'est pas la chasse gardée, ainsi de suite. Oui, je dis absolument, je m'inscris en faux. Même en France, je me souviens qu'en Coupe du Monde, en 98, lorsque la France gagne la Coupe du Monde, Deschamps et Jacquet faisaient presque l'équipe. Et il y a une anecdote, parce qu'on va laisser Ibrahim Ba. Ibrahim Ba dit qu'il y a eu un problème en championnat, en Italie, pendant le match Milan AC Juventus. Et Deschamps lui dit quelque chose du genre, c'est comme ça qu'on parle à son capitaine. Le lendemain, son nom n'était pas dans la liste. Et on a eu à rappeler Zidane, Makelele et Thuram pour la Coupe du Monde 2010, 2006, autant pour moi. Donc, c'est des choses mais quand vous prenez un exemple comme ça, moi ça me surprend parce que vous voulez me faire comprendre que ça c'est la règle dans le football professionnel. Non, c'est pas la règle. Ce que je voulais vous dire, ce n'est pas au Cameroun. Si ça se passe comme ça en équipe d'Italie, si ça passe comme ça en équipe d'Allemagne, si ça se passe comme ça en équipe d'Italie, il y a des raisons pour qu'on laisse les choses. Alors, si on reste un peu, c'est tout ce qu'on veut dire. Alors, si on reste un peu sur le plan. Et puis Makeda, moi je suis quand même surpris. Je finis en une seconde. Je suis quand même surpris que l'on veuille donner l'impression que sans Kamini, l'équipe nationale du Cameroun. Ça ne se passe pas que qu'au Cameroun. Voilà. Ailleurs, peut-être que si on interroge un peu l'homme de la rue, ils pourront. Vous avez vu le gardien avec lequel la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique des Nations? Mais vous savez où il jouait? Il jouait à Sek Mimosa. Serge Kamdel. Il a mis à côté, Et pour finir, le gardien de l'Okeren. Et pour finir, ça c'est donc pour. Les gardiens titulaires. Oui, et pour finir, c'est pour vous dire que c'est pas parce que forcément jouer. C'est le gardien de l'Okeren qui vient faire gagner la Coupe d'Afrique des Nations. La parole. Non, on peut aussi dire que ça peut la être... La parole est à Serge Kamdem. Ok. DG. Je voulais dire simplement que, déjà, je souhaite, ça c'est motion d'ordre quand même, qu'on laisse une personne parler à la fois. Ça va faire qu'on nous écoute pour ceux qui sont... Nous sommes d'accord. Et c'est qu'on est passionné et on s'emporte un peu. C'est pas dans un mauvais esprit quand même qu'on le fait. Première chose. La deuxième, c'est juste quand même embêté quand Serge Zambo dit qu'il y a des gens qui ont des places qui leur sont réservées. J'ai jamais dit ça. Peut-être tu l'as dit sans le réaliser. Moi, j'ai dit, parce que tout à l'heure, quand on a parlé des joueurs qui ont des postes qui leur sont réservés en tant que titulaire, j'ai eu l'impression, à moins de me tromper. Vous trompez, j'ai jamais dit. Ok, s'il n'a pas dit, c'est encore mieux. Parce que moi, je voudrais bien qu'on intègre une compétitivité permanente. D'accord. On peut s'appeler Idriss Carlos Kamini, on peut avoir la trajectoire qu'il a. Tant qu'on n'a pas une dominance sur son interlocuteur, sur son coéquipier, qui joue au même poste que soi, on n'a pas l'obligation de jouer quand celui-là attend parce qu'on a le vécu qu'on a. Et d'ailleurs, M. Tshikati a évoqué quelque chose tout à l'heure. Sa sortie récente de l'équipe nationale, ce n'était pas parce qu'il était un mauvais gardien en club, hein. Mais il y avait en sélection un peu comme une mauvaise passe pour lui. Et ça ne jouait pas en sa faveur. Donc il a disparu des tableaux comme ça pendant un bon moment. Aujourd'hui, de tous les gardiens camerounais, c'est le plus en vue. Parce que jouant à Malaga, jouant dans un championnat relevé en Espagne, il est 8e. Mais reconnaissons qu'au moment où on pouvait le sélectionner, malheureusement, il y a eu cette blessure qui est arrivée. Et par la suite, comme vous avez dit, peut-être que c'est de connivence avec son entraîneur, il est resté sur la touche. Ça veut dire que je suis sorti de blessure, je ne suis pas resté compétitif. Donc l'entraîneur peut avoir des doutes sur la remise réelle de sa situation sanitaire. Mais non, il est dans une situation, il est devant une situation. Il l'a appelé, il a fait son devoir de l'appeler. Le joueur a acquiescé de venir. Donc il n'y a pas encore de polémique jusque-là. Maintenant, c'est dans les chaumières qu'on commence à dire oui, il aurait fallu qu'on t'appelle de telle ou telle façon. J'ai dit, c'est pas ça qui est important. Si Idriss, connaissant comme grand garçon, d'ailleurs nous le connaissons tous avec son humilité, s'il dit qu'il va jouer pour son équipe nationale, il va jouer. S'il ne veut pas y aller, c'est normal qu'il dise à son sélectionneur, je ne viendrai pas pour des raisons, qu'il va lui expliquer et le reste on verra après. Mais l'équipe nationale va continuer à exister, même si aujourd'hui Idriss Carlos s'arrêtait. Alors, peut-être pour sortir de ce sujet, Dr Mbappé, ce match aussi hein, entre la France et le Cameroun du 30 mai. Oui, disons qu'il y a plusieurs problèmes. Vous avez vu qu'il y a également le capitaine qui n'a pas été convoqué. Pourtant, nous l'avons vu jouer lors de la dernière journée du championnat de Chine. Et Audi de Patrick Mbouma, parce que je l'ai suivi dans une émission il y a quelques jours, où il dit qu'il a vu Mbia sur l'ensemble de ses derniers matchs et qu'il est en forme. Donc, si c'est
par rapport à la forme, il aurait mérité qu'il soit convoqué. Le sélectionneur a indiqué que Stéphane Biya avait un match important à livrer avec son club, donc il n'était pas disponible. Bon, l'explication donnée par le sélectionneur. Ok, soit. Donc maintenant, c'est une équipe, on va dire que nous avons, par rapport à la France, on a une équipe où Didier Deschamps a beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Une équipe avec plein de vivacité, des joueurs talentueux, des joueurs assez véloces par rapport au Cameroun, où vous voyez que on a vraiment des problèmes pour constituer cette équipe-là. Mmh. Nos joueurs, ils jouent dans quel championnat? J'ai même vu là qu'on a convoqué un joueur qui joue en Azerbaïdjan. Donc vous comprenez jusqu'où nous sommes allés, jusqu'où nous sommes descendus. Nous sommes dans les bas-fonds et quand on est couché, on ne tombe plus. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va à ce match pour essayer de limiter les dégâts. Donc il faut être tactiquement en place. Il faut qu'il y ait un bloc équipe qui soit en place et surtout que le discours des entraîneurs permette aux joueurs d'être surmotivés. Parce que c'est ce surpassement-là qui peut nous amener à combler, n'est-ce pas, le gap, le décalage technique, tactique que nous avons par rapport à cette équipe de France. Mm-hmm. Et puis, Makeda, il y a quand même quelque chose qu'il faut rajouter. Je pense que l'entraîneur, il est en train de faire preuve de maturité parce qu'il protège ses joueurs. L'entraîneur ne peut pas vous dire qu'il a décidé de ne pas appeler Biya tout simplement parce que, bon, lui aussi, il y a des problèmes de discipline. Nous savons très bien qu'il y a eu un incident après le match aller à Cameroun-Afrique du Sud. Mm-hmm. Voilà, il y a eu un incident et à l'issue de cet incident-là, Biya a été mis à l'écart lors du match retour. Voilà, donc nous savons tout cela. Bon, maintenant, je pense que ce serait un peu maladroit pour l'entraîneur de dire que j'ai décidé de ne pas appeler Biya tout simplement parce que, bon, il a un problème de discipline. Je pense que l'argument. Oui, il faut trouver une autre formule et c'est pourquoi je dis que c'est un entraîneur qui sait quand même que demain, Biya peut s'amender et qu'il ait besoin de l'appeler. Mais si avant, il a livré à la vindicte populaire en disant je ne l'avais pas appelé parce que c'est un joueur indiscipliné, forcément, ça va détériorer totalement les relations entre lui. Le joueur. Donc, il trouve un artifice qui, en réalité, ne tient pas parce que il ne peut pas dire que Biya a un match important à jouer avec son club. Parce que déjà parce que le règlement de la FIFA commande que lorsque les matchs qui sont inscrits dans le calendrier de la FIFA sont des matchs où les clubs ont l'obligation de libérer les joueurs. Pour le match amical, tous les clubs employés des joueurs. Non, il ne peut pas l'appeler après pour la Mauritanie parce que le délai de convocation est déjà passé. Mais il faudrait savoir que pour le club employeur des joueurs, ces clubs-là sont tenus de mettre les joueurs à la disposition des équipes nationales dans un délai de 48 heures pour les matchs amicaux. Voilà, donc je pense que Hugo Bros, pour moi, il est en train de faire ce qu'un entraîneur normal doit faire parce qu'il se dit, Biya peut l'appeler demain et dit, coach, j'ai compris, je m'étais trompé, je m'engage à ne plus recommencer. Et à ce moment, là, ils vont repartir sur de nouvelles bases. Mais il y a Marvin Matip aussi, qu'on n'a pas appelé, qui était titulaire à Durban. Et ça aussi, qu'on nous donne aussi des explications pour ça. On en a donné ce mari. Voilà. Mais il y a toujours des... aussi que a trouvé une facette pour dire qu'il... Moi, l'information que j'ai, c'est que Joël a demandé à son frère, son grand frère, d'aller voir si le management a changé au sein de la tanière. Et bien, basta, après le match à Durban, il n'a même pas pris l'avion avec les autres. Et c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Ça, c'est l'information qu'on a. J'ai des gens qui sont proches de la famille. Bon, maintenant, officiellement, on va vous donner des raisons parce qu'on trouve toujours des raisons, telles qu'il a expliqué Maître Sikati. Mais c'est ça la vraie réalité. Pourquoi Joël Matip ne vient pas depuis? Il est dans l'équipe, l'équipe des meilleurs joueurs qui sont en championnat européen. Pourquoi il n'est pas convoqué dans les Lions? Pourquoi Samuel Eto'o qui a marqué 20 buts n'est pas convoqué? L'équipe nationale, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Ça fait beaucoup de questions que vous posez en même temps. Docteur Mbappé, je voudrais sortir avec vous, Serge Kamdem, ce match quand même entre la France et le Cameroun. Comment est-ce que vous l'entrevoyez? La première chose, c'est que pendant longtemps, nous avons fait des matchs amicaux avec des équipes quand même de bas de classement. La scène de la FIFA. Mmh. Aujourd'hui, le Cameroun a un match avec un challenger qui a une réputation. Et nous connaissons la verve de vos confrères journalistes français avec la façon de vanter des événements comme cela. Je pense que le Cameroun, à travers ce match, se vend. Et il est important que les piètres figures qu'on a l'habitude d'avoir s'améliorent un peu. Je pense que c'est même ça la gêne que les uns et les autres ont. Mmh. Le souci de tout le monde, c'est de voir des lions qui vont se transcender, qui vont se dire, OK, on n'a pas affaire à un adversaire de bas de classement et qu'aujourd'hui, malgré le fait que dans le classement FIFA, on ne soit pas bien positionné, mais on peut montrer quand même qu'on pourrait challenger avec ceux qui sont semblés ou bien ceux qu'on décrit comme étant, ceux qui sont présentés comme étant les meilleurs. Donc, c'est un match plein d'ouverture. Déjà aussi, en tant que match amical, le potentiel là-dedans, c'est de découvrir, peut-être pour l'entraîneur, la cohésion avec certains joueurs qu'il va
appeler à nouveau comme tel est le cas. Le nouveau qui arrive dans la tanière, je suis un peu gêné que le docteur parle des joueurs en Azerbaïdjan comme si c'était pas bon de les convoquer. Non, c'est le talent, docteur. C'est vrai que ça peut nous embêter d'aller jusqu'à ce niveau-là, mais si on estime qu'on a de la pépite, je rappelle qu'on vient toujours de quelque part pour être quelqu'un. C'est-à-dire, pour s'appeler Mourinho, il a fallu un matin qu'on n'ait pas de nom. C'est-à-dire qu'on n'existe pas bien, qu'on soit sous le couvert de quelqu'un et qu'on se fasse découvrir. Ouais. Quand on gagnait l'Argentine en 90, je parie que la majeure partie des joueurs camerounais ne sortaient nulle part. Ils jouaient dans les clubs de bas de classement partout. Non, c'était un pays, ça pouvait être n'importe quoi. Je voulais dire simplement. Je voulais dire simplement. C'est pas mauvais de convoquer des joueurs. C'est pas mauvais. À partir du moment où. Je n'ai rien contre. Le plus important dans une sélection, ce n'est pas le fait d'appeler des joueurs individuellement, mais c'est d'être sûr qu'avec ces joueurs, on fera un groupe. D'accord. Un groupe dynamique. Donc, sur cet aspect, les Camerounais attendent quand même beaucoup de choses. Mais le malheur qu'on a, c'est que ce match. Et à 3 jours d'un événement important. Et j'allais justement demander. Voilà le malheur qu'on a. Au docteur Mbappé, qui est quand même un ancien footballeur. Oui. Comment ça se passe entre. Dans un espace aussi réduit, quoi. On va passer d'un match amical, qui n'est pas des moindres, pour aller disputer un match. Un match officiel en Mauritanie, un match au couteau. Celui qui perdra ce match peut risquer sa qualification pour la CAN. On parle de récupération, voilà, joueur professionnel, il n'y a pas de problème. Pour ça que je ne comprends pas un peu la gestion du groupe qui est faite par ce coach. Parce que vous avez deux importants matchs en 3 jours. Bon, il trouve quand même le moyen de renvoyer Onana, Carlos, on ne sait pas encore, c'est 50-50, on ne sait pas encore s'il va venir. Mm-hmm. Parce que, dernière nouvelle, il était au chevet de son fils, il était à côté de son fils. Bon, je ne sais pas combien de temps il faut pour un vol entre Malaga et Nantes. Bon, ça c'est soit... Donc, il n'était pas à Malaga, on tient. Donc, ce que je vais dire, c'est que... Il a convoqué des joueurs locaux, certains joueurs du championnat. Normalement, pour 2 matchs en 3 jours, il fallait au moins une trentaine, 27 ou 28 joueurs pour avoir quand même 2 ou 3 possibilités de substitution. Donc maintenant, quand on fait partie le jeune Onana, psychologiquement, parce qu'un entraîneur, ça doit être un bon psychologue. Hein? Donc maintenant, on dit que c'est un problème d'indiscipline. Pourquoi on l'a d'abord laissé partir et on est pour arriver à Nantes? Et maintenant qu'on le fasse partir, alors qu'on n'est pas sûr que Kameni sera là. On a 2 matchs en 3 jours. Donc, j'ai dit, il fallait... Moi, je trouve que 24 joueurs, c'est limite. À partir du moment où la liste officielle, c'est 23 joueurs. Donc, il fallait prévoir encore 3 ou 4 possibilités pour pallier à toute déficience qui pourrait survenir. Mmh. Ouais. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là pour la pause actuelle de ce soir. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission consacrée au débat. Retour en plateau, messieurs, pour cette deuxième partie de l'émission consacrée au débat contradictoire et interactif. Un débat auquel vous pouvez participer via SMS et les réseaux sociaux. Ce soir, on parle du football professionnel, le sponsoring des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Qu'est-ce qui coince? C'est donc la problématique à la veille de la descente de la Ligue de football professionnel du Cameroun au niveau du JICAM afin d'inciter les entreprises à mettre l'argent dans ce championnat. Alors, tout à l'heure, on aura l'occasion d'écouter justement le président de la Ligue qui, déjà l'année dernière, revenait sur les avantages liés à la fiscalité pour toute entreprise qui se décide à sponsoriser le championnat. Mais regardez, sur le terrain, les sponsors ne coupent pas beaucoup. Ne semble pas beaucoup courir. Tout à l'heure, on tentera. On va écouter cette sortie de Pierre Semeng, le président de la Ligue. Mais d'emblée, docteur Mbappé, quelle analyse est-ce que vous faites même? Vous êtes business scientist. Mm-hmm. Quelle analyse est-ce que vous faites justement du déroulement de ce championnat, du contexte même dans lequel il se joue? Ok, je profite, n'est-ce pas, de l'occasion pour saluer, n'est-ce pas, le général d'armée en deuxième section, Pierre Semenge, et sa secrétaire, la secrétaire de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Thérèse Pauline Mangele, pour un excellent travail
l'excellent travail qu'ils abattent à la tête de cette ligue. Parce que voyez-vous, pour une fois, on a eu une phase aller en Ligue 1 et en Ligue 2 sans anicroche, hein, sans problème majeur. Et vous voyez que c'est l'une des rares ligues au niveau de la FECAFOOT qui fonctionne. Les compétitions se jouent. Je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau pour l'excellent travail qui est abattu par ces personnes-là. Et il faut reconnaître le travail qui est bien fait. Maintenant, s'agissant de... Vous savez aussi que pour la phase de retour, le ministre a mis à la disposition le stade de Kouékon, dont le stade omnisport, puisque c'est le nom de baptême, le stade omnisport de Bafoussam, ainsi que le stade omnisport de Limbé. Donc ça veut dire que ceci participe, n'est-ce pas, du relèvement du niveau général de ces compétitions-là. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut souhaiter qu'avec un arbitrage qui a été magnifique, en Ligue 1, en Ligue 2, j'ai assisté à beaucoup de matchs, et puis on a assisté aussi à un tassement, un nivellement des valeurs, parce que vous voyez que le nuage de points pour les érudits de la statistique descriptive, c'est que s'il fallait calculer un indice de concentration, on allait voir que les points sont vraiment concentrés, c'est-à-dire qu'entre le premier et le dernier, ça, il suffit simplement que vous perdiez un match pour que le classement soit, que vous observiez un dégringolade dans le classement. Donc, d'une manière générale, et puis on voit quand même qu'il n'y a pas une grande différence entre les clubs de Ligue 2 et de Ligue 1, sur le plan technique, sur le plan du niveau. Donc, j'ai dit, kudos à Pierre Semeng et à Pauline Manguele. Et un seul mot, ils n'ont qu'à continuer à faire le travail qu'ils sont en train de bien réaliser à la tête de la Ligue. Alors, Serge, vous avez vu un peu tiquer hein, lorsqu'il a parlé d'arbitrage qui a été très bien mené au cours de cette phase aller. On sait que vous êtes un ancien arbitre. Vous n'êtes pas d'accord avec cette lecture ou bien? Non, je pense avant de commencer, il est important de... J'apprécie la posture du docteur parce que lorsqu'on a été footballeur passionné et aujourd'hui pouvoir apporter de l'expertise comme ça, c'est bien. Le président de la Ligue, je dis, dans un environnement comme le nôtre, réussir ce qu'on fait, c'est quand même un exploit qu'il faille encourager. Mais je pense à côté, il faut féliciter d'abord les acteurs eux-mêmes parce que ces joueurs et ces présidents de club, ces entraîneurs qui se battent au quotidien, dans un environnement aussi difficile, j'ai dit ne pas leur passer un encouragement, ce serait pas bien. Les arbitres, on ne doit pas les oublier, mais sur les arbitres, j'ai tiqué parce que le hic dans ce championnat pour cette saison, c'est au niveau des arbitres quand même. Donc c'est le corps de métier qui a une interpellation, on souhaiterait qu'il y ait beaucoup d'efforts qui soient faits. On a quand même assisté à un rajeunissement, c'est ça qui m'a plu. Ah non, au niveau du rajeunissement, on voit des jeunes. Ça, pour ça, c'est vrai. Maintenant, au niveau de la gestion des rencontres, il y a encore des problèmes. D'ailleurs, Madame le secrétaire général de la Ligue et certains d'entre nous, on en parlait encore tout récemment. Donc, il faut mettre de l'œil là-dedans, il faut être vigilant pour ramener tout le monde. Parce que lorsqu'on a un beau championnat comme ça, dans lequel il y a un nivellement de valeur, comme il a dit, il est regrettable que pour des erreurs individuelles ou bien pour des égarements quelquefois qu'on pourrait éviter, qu'on ait des dérapages. Et bien qu'on ait comme impression qu'il y a des acharnements sur certains clubs et pas sur d'autres. Donc ça va un peu aller dans tous les sens et il est important pour eux de faire cette lecture-là. Alors, Maître Désiré Siketi, vous êtes avocat. Et la question que j'ai bien envie de vous poser tout de suite, c'est de savoir, de votre posture d'avocat justement, est-ce que le contexte juridique, par exemple, favorise le sponsoring du championnat actuellement? Mais déjà, je dois avouer que je suis quand même un peu surpris par les mots laudateurs de M. Serge Bappé et Serge Kandemkwam, parce que je ne suis pas sûr que la qualité d'un championnat peut se déterminer lorsqu'on n'envisage pas les compétitions entre les clubs de ce championnat et les autres clubs étrangers, je veux dire les matchs à l'international. Voilà, tout à l'heure, dans l'introduction de votre émission, vous avez présenté les poules de la Ligue des Champions. Bon, il a été constaté qu'aucun club camerounais ne faisait partie des clubs qualifiés pour participer à ce stade de la compétition. Je voudrais même dire que tous les clubs camerounais ont été éliminés. Les meilleurs ont été éliminés en 16e de finale. Donc, un pays qui a des clubs d'élite éliminés en 16e de finale peut se vanter d'avoir un bon championnat, franchement, ce que je sais plus, c'est que c'est qu'un bon championnat. En tout cas, pour moi, le championnat que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue 2, c'est le Cameroun est resté dans le concept d'un championnat du plaisir du dimanche.
de la détente. C'est-à-dire, on fait un championnat tout simplement parce que les gens ont envie d'aller au stade et rire, on marque un but, on fête. Mais en réalité, le sens de l'ambition, l'envie d'aller plus loin, ça n'existe pas. Sinon, j'ai du mal à comprendre pourquoi les dirigeants des clubs ne se demandent pas pourquoi est-ce que depuis presque 30 ans, on ne parvient pas à gagner une compétition africaine. Donc je pense qu'il faut, avoir l'humilité de reconnaître que le championnat camerounais, il est mauvais. Aujourd'hui, ce championnat, quand les gens vont au stade, est-ce que vous avez des clubs qui ne veulent pas se surpasser? Lorsqu'un club gagne 1, 2, 3 matchs, bon, le président du club ou bien les dirigeants peuvent estimer que bon, ils ont désormais les résultats qui peuvent permettre de transférer quelques joueurs. Mais pour moi, le club qui fait le bon championnat, c'est celui qui est ambitieux. Ouais. Quand vous prenez une équipe comme Tout-Puissant Mazembe, qui en l'espace de 6 ans gagne 4 Ligues des Champions, eh bien, vous prenez le Vita Club, qui en l'espace de quelques années gagne quand même une Coupe africaine de la CAF, eh bien, vous pouvez vous dire que ces clubs-là jouent dans un championnat qui est de qualité. Et quand vous regardez les compétitions internationales disputées par ces clubs et que vous voyez que les clubs de ces pays arrivent généralement dans le dernier carré, eh bien, vous pouvez dire que ces clubs-là ont un championnat qui est de qualité. Moi, je pense que le problème chez nous, les Camerounais, c'est qu'il y a des moments où on aime dire qu'on est les meilleurs danseurs alors qu'on n'aime pas danser. Voilà, donc je pense qu'il faut se demander pourquoi le championnat ne marche pas. Je pense que la question que vous avez posée à tant à M. Serge Bapeka, à M. Serge Kamnem Kouam, c'est une question qui devrait permettre de comprendre pourquoi le championnat ne marche pas. Mais pour moi, je ne pense pas qu'ils ont répondu. Là, maintenant, on a une transition. Oui, parce que le championnat ne marche pas. Un mot sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Oui, la transition, voilà. Vous avez dit un mot, mais je trouve quand même que vous avez tellement loué la Ligue 1 et la Ligue 2, vous les avez affublés des qualités que moi je ne trouve pas. Non. Je n'ai rien contre M. Semenge et Mme Mengele, parce qu'en réalité le problème ce n'est pas eux. Il y a un véritable problème structurel. D'où donc la problématique. Il y a un problème organisationnel. Il y a même un problème sur la qualité des dirigeants sportifs aujourd'hui au Cameroun. Quand je parle des dirigeants sportifs, c'est-à-dire il y a les dirigeants des clubs. Voilà, il y a un problème au niveau de la mentalité des éducateurs sportifs, des entraîneurs. Donc il y a beaucoup de problèmes. Mais avant tout, ça concerne. En ce qui concerne le problème du sponsoring, c'est-à-dire, vous avez dit, est-ce que la statut juridique des clubs, pour revenir à votre question, est-ce que la statut juridique des clubs aujourd'hui favorise le sponsoring? J'étais en train de vous dire qu'il y a un véritable problème organisationnel. Quand je parle de problème organisationnel, ça veut dire que les clubs, même sur le plan juridique, n'ont pas le statut qu'il faudrait pour capter le sponsoring. La plupart des clubs, regardez les clubs camerounais, combien sont les clubs ouverts en ce qui concerne l'organisation, en ce qui concerne la participation des tiers, en ce qui concerne peut-être la volonté des tiers à pouvoir rentrer dans le club et être également des dirigeants. Les clubs sont des clubs personnalisés. Ça veut dire tout simplement qu'un président de club, quelqu'un décide de créer son club là, lui, qu'il conçoit comme étant sa chose, comme on dit dans notre concept, et qui demain demande un sponsor. Mais vous voyez quel sponsor est en train de venir mettre son argent dans le projet de quelqu'un? Non, ce que vous auriez dû dire, mais non, vous allez le dire après. Ça, c'est pas ce que je, dis, c'est ce que je veux bien dire. Vous allez rectifier, dire ce que vous voulez dire après. Mais j'estime que aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de mettre de l'argent dans une structure qui n'a pas de lisibilité, tant sur le plan organisationnel, tant sur le plan de la gestion, tant sur le plan de l'ambition. Les sponsors viennent derrière. Quand vous prenez une équipe comme le National Al Ahly, et que vous voyez que le budget qui est mis à sa disposition chaque année par les sponsors en termes de francs CFA, c'est près de 15 milliards de francs CFA. Vous savez pourquoi? Mais parce que le National Al Ahly, c'est une équipe ambitieuse qui a des structures, qui peut glaner, capter beaucoup d'attention et faire en sorte que les sponsors qui viennent, qu'ils aient de la lisibilité sur les produits qu'ils exposent et les services. Chez nous, ce qu'on voudrait, il faudrait que nous comprenions que aujourd'hui, on veut rentrer encore dans le concept du mécénat, mais le mécénat est passé. Le mécénat, c'est le temps où quelqu'un mettait son argent, comme les Zunja Claude faisaient parce qu'ils aimaient le foot, mais ce temps-là, c'est passé. Le tout-puissant Mazembe, ce n'est pas le mécénat parce que vous avez quand même un gros industriel. Voilà, vous avez quand même un gros industriel qui est exploitant de diamants et d'or. Et bien, c'est-à-dire, en même temps, il a un club dont il est le principal sponsor. Il a les moyens de sa politique. Voilà, on a compris. C'est pas la même chose. Que le statut juridique ne favorise pas le sponsoring des clubs. Bon, peut-être je vais revenir dessus après. Puisque nous sommes bien rentrés dans le débat, parce que nous n'étions pas. Nous n'étions pas. Le docteur va réagir et puis vous, c'est le Zambo. Nous sommes dans le débat. Il a fait une transition. Alors, ce qu'il a omis de dire, c'est que depuis le début de la saison en cours, et je parle sous le contrôle d'un responsable de club d'élite, le général a veillé à ce que tous les clubs soient mutés en société commerciale.
Exact ou pas? Ouais, non, ça, voilà, c'est... donc ça c'est devenu des sociétés. Non, vous vous trompez. Non, je vous dis, c'est pour ça que le canon a eu un problème. Le dernier à s'affilier, moi je suis du canon. Le dernier à s'affilier, c'était le canon qui a commencé après que tous les autres aient joué. Parce que le canon avait trois sociétés et il fallait valider une société anonyme. On a validé la société anonyme du patriarche Atebayéné. Donc tous les clubs ont été mutés en société. Donc ça veut dire que la condition. Non. Sur laquelle vous êtes en train de vous plaindre, elle est déjà remplie non, par, la, par les clubs d'élite. Vous, vous avez compris ce que vous venez de dire. Vous avez dit qu'on a validé la société anonyme du patriarche telle. Non. Une société anonyme n'appartient pas à quelqu'un. Non, voilà. On comprend très bien le problème qu'il y a. Donc il faut donner les informations exactes à nos téléspectateurs. C'est que une tous les clubs d'élite sont déjà juridiquement... mise en forme parce que ces clubs sont devenus des sociétés commerciales. C'était une exigence de la Ligue pour démarrer le championnat cette saison. Donc ça peut encourager les entreprises privées et publiques à venir parce que ça leur donne plus de lisibilité parce que les sociétés commerciales sont là pour faire du profit, hein, pour maximiser le profit et distribuer des dividendes à leurs actionnaires. Donc ils peuvent maintenant venir prendre des participations parce que c'est des sociétés anonymes ou des sociétés d'économie mixte ou des sociétés à responsabilité limitée. C'est comme ça. On va permettre à Serge Zambo. Non, je voulais répondre à ce que vous aviez dit. Serge Zambo, avant peut-être la page publicitaire tout à l'heure. Serge. Ah, ce que je voulais dire par rapport, moi je vais dans le vif du sujet, hein, oui, sans avoir à qualifier le championnat du Cameroun. J'ai quand même assisté à certains matchs. Là-dessus, je suis quand même un tout petit peu psychatien, si vous me permettez l'expression entre guillemets. Parce que notre championnat, effectivement, c'est le gars qui va s'amuser le samedi, qui applaudit et puis qui rentre. Donc pendant qu'ailleurs, on va effectivement applaudir le samedi ou le dimanche. On pense à gagner un titre en Afrique et peut-être aller faire des résultats lors de la Coupe intercontinental des clubs qui se joue souvent ailleurs. Et j'ai souvent vu le tout puissant Mazembe par exemple se retrouver en finale avec un de nos joueurs camerounais d'ailleurs qui avait joué dans le Kanga. Nous l'avions vu tous à la télé et le tout puissant Mazembe avait même rencontré l'Inter de Milan de Samuel Eto'o. Bon, donc il faut être un peu plus il faut avoir une vision un peu possible. Et maintenant, moi je vais parler un tout petit peu du sponsoring. Je ne souhaiterais pas tout simplement que le général Semenge, on apprécie tout le travail, s'arrête uniquement au niveau du JICAM. C'est-à-dire le JICAM, c'est le groupement interpatronal du Cameroun. Ouais. Voilà. Il faudrait bien qu'il essaye de continuer à faire venir des grosses multinationales comme Orange, comme MTN. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi MTN est parti. Au dernier nouvel, on disait que MTN donnait environ 4 milliards de francs CFA à la Ligue 1. On ne sait pas pourquoi MTN est parti. Peut-être pour aller donner à Eto'o. Ça aussi, je le dis entre guillemets. Bon, maintenant, il faudrait aussi que l'État du Cameroun, à travers peut-être le ministère des Sports, s'implique. Ils se sont déjà impliqués, mais pas de façon très active. C'est-à-dire que, bon, il y a eu peut-être des avancées au niveau de la fiscalité. Ouais. On se dit, bon, voilà, si vous venez intervenir, voilà ce qui peut arriver. Maintenant, je me dis qu'il faudrait bien qu'ils s'impliquent beaucoup plus avec des gens comme MTN ou Orange. C'est-à-dire en leur disant, peut-être même lorsqu'ils viennent signer des contrats pour entrer chez nous, on leur dit qu'il y a un certain pourcentage qui doit absolument intervenir dans le domaine du sport dans le domaine du social. Il faut contraindre ces entreprises à financer le football. Ça a raison, mais la précision, si on vous comprend bien. Attendez, je n'ai pas fini, maître. je vais finir. Alors, je disais que si on les contraint, il faut qu'on les contraigne à le faire. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Maître Sikwati peut se retrouver à Bafoussam, moi à Douala. Vous voyez un peu. J'ai besoin de l'appeler. Je l'appelle avec un cahier de communication MTN ou Orange. Je n'ai pas besoin d'un sponsoring, il faut que je l'appelle pour que je puisse lui dire quelque chose. Donc, si dans mon appel qui a coûté peut-être 200 francs, on a pris 0, ou alors 2 francs CFA, uniquement pour le sport en général, je vous dis que c'est le football camerounais, ou alors le sport camerounais en général, pourra effectivement revenir. D'accord, vous voulez. Parce que Serge Kamdem va parler. Non, en fait il a bien expliqué, mais je pense que. Peut-être ce qu'il aurait fallu ajouter, c'est que le véritable problème du sponsoring au Cameroun, c'est pas que les entreprises telles que les entreprises de téléphonie ne savent pas qu'il faut mettre de l'argent dans les clubs et ne savent pas quels sont les avantages qu'elles peuvent en tirer sur le plan de la fiscalité. Tout ça, elles le savent parce que ces entreprises ont des cabinets de conseils fiscaux qui les conseillent très bien. Le vrai problème, c'est que ces entreprises ont un problème quand il est question de mettre de l'argent entre des mains qui ne sont pas sûres.
Le vrai problème, c'est ça. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le football camerounais manque d'ambition. Comment vous pouvez estimer que, quand vous regardez tous les grands clubs africains qui gagnent les compétitions africaines, vous allez voir qu'ils ont tendance à conserver leurs meilleurs joueurs. Comment vous pouvez estimer que les clubs camerounais en général, lorsqu'un joueur est bon, dans les semaines qui suivent, je ne veux pas dire dans l'année qui suit, ce joueur, les dirigeants font tout pour le transférer parce que ce qui les intéresse, c'est l'argent. Donc, c'est pour vous dire que les clubs camerounais manquent d'ambition. Et ce manque d'ambition, là, ne motive pas forcément Merci, maître Serge Kamdem. Je crois que, à la base, les mots qu'on décrit sont fondés. Mais je crois qu'il faut toujours partir de la genèse du problème. La genèse, d'abord, c'est un problème de manque de volonté politique. Parce que tout ce qu'on évoque sur les deux francs qu'il faut retenir ici, le fait qu'un joueur ne devrait pas voyager, c'est un problème d'organisation d'abord politique. C'est-à-dire, quand le politique a mis les jalons de quelque chose de solide, on peut avoir des clubs qui, à l'arrivée, vont être forts. Tout à l'heure, on prenait l'exemple de El Ahly, tout ça. Mais à la base, ça a commencé comment à la genèse? Et c'est en ça qu'il faille qu'on se pose des grandes questions. Et c'est pour ça que je rejoins l'économiste quand il parlait de « on ne regarde pas souvent où on est tombé, mais là où on a commencé à glisser. Mmh. » Parce qu'en réalité, c'est l'État, le mouvement sportif, c'est le rôle régalien d'abord de l'État parce que c'est la jeunesse. C'est-à-dire c'est la jeunesse d'un pays qui, à travers l'utilité publique. Non, mais Tikati, s'il te plaît. J'ai dit, dans les pays qui sont développés en matière de football, en matière de sport en général, l'État a à la base imposé une façon de faire les choses. Et quand l'État a imposé cette façon, les fédérations se sont arrimées. Pour dire quoi? Dans les pays maghrébins, par exemple, on est allé avec au départ des budgets où on a dit, OK, pour qu'un club fonctionne de façon à devenir autonome, voilà le budget minimal qu'il lui faut avoir. Maintenant, le cahier de charge, le voici. On, voilà, on va poursuivre avec vous, Serge, le temps de marquer un arrêt publicitaire. Pour atteindre mes objectifs et accroître ma productivité, cela exige de la concentration et de l'énergie. Je suis un bosseur, mais j'avais du mal à relever mes challenges. Jusqu'au jour où j'ai découvert les griffes Scarface. Depuis, plus rien ne m'arrête. Je suis devenu maître de ma vie. Mes amis vous le confirmeront. Scarface, c'est le seul pouvoir qui se partage. Exigez Scarface, partagez et imposez vos marques. Scarface, à vous le pouvoir. Merci à Scarface qui nous accompagne comme chaque mercredi soir. Tout à l'heure, Serge Kamdem, vous étiez justement en train de parler de l'environnement même, de ces clubs-là aussi. Voilà. Donc, il y avait une volonté. Oui, il y avait d'abord au départ une politique qui est mise en place de prendre une structure sportive et la transformer en entreprise rentable. Et tout ça est fait avec un cahier de charges qui, d'un côté, on a défini un budget pour arriver au résultat qu'on voudrait avoir. Et par la suite, on a défini une politique de pérennisation. Donc, on sait que le club, au départ, même si c'est un crédit qu'on devra payer sur le long terme, à l'arrivée, la rentabilisation va être telle qu'on pourra générer de l'argent pour continuer à progresser. Donc, les infrastructures sportives vont suivre et tout le reste va avec. Malheureusement, au Cameroun, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a fait le professionnalisme par décret. Et quand on le fait par décret, on a vu même nos pays, dans les pays comme le Gabon, où l'État a mis 2 milliards, 4 milliards la première année. S'il vous plaît, je voudrais simplement qu'on comprenne que... Je voudrais simplement dire que lorsque on met de l'argent même, sans avoir défini exactement c'est à quoi va servir l'argent. Si vous mettez de l'argent en disant on va payer 400 000 aux joueurs, alors qu'après on ne sait pas d'où le club, où le club prendra les mêmes 400 000 pour continuer à payer, mais à l'arrivée il y a un blocage. C'est ce qui s'est passé au Gabon. Le président de club à la fin, on dit nous ne payons plus. Au Cameroun, comme il a dit lui-même dans des propos liminaires, on n'a pas une base politique visible pour que quelqu'un sache que quand je veux créer une équipe, voilà ce qui m'a imposé au départ. Il fait son équipe parce qu'il est passionné. Maintenant, les infrastructures sur lesquelles on évolue, reconnaissons qu'il y a une grande carence à ce niveau-là. On parle de sponsoring. Vous pensez que moi, une entreprise, je veux venir sur la terre battue, mettre mon image et que quand on voit un ballon, la poussière s'élève, on ne sait même pas ce qu'on voit à la télévision. Pour les stades non. Quoi. Donc, aujourd'hui, avec le plan d'investissement qui est fait avec la fédération et le PENDIS, on est sûr que dans un avenir très proche, on aura peut-être déjà l'air. C'est-à-dire, ça, c'est la salle du spectacle, le terrain. Avouons que le terrain, j'ai dit, c'était un problème pour le spectacle lui-même. Et ça joue donc sur la formation. Quand on n'a pas des infrastructures, quand dans les écoles, on ne peut pas avoir des espaces pour faire le sport. Nous, on a des enfants qui, au lieu d'apprendre le football à la base, comme partout ailleurs,
sont obligés d'apprendre le football à un âge où il y a des fondamentaux qui n'existent plus. Donc il faut encore le réinculquer. Ça veut dire qu'on fait un championnat professionnel dans lequel en même temps on fait de la formation. Et ça, ça va déteindre sur l'image. Mais malgré toutes ces difficultés-là, des passionnés comme des présidents de clubs, qui eux aussi ont un problème, parce qu'il n'y a pas une école ici où on forme des managers du sport. Il n'y en a pas. Donc chacun s'élève avec son esprit. Il suffit qu'il ait ses moyens et qu'il reste dans le cadre légal qui est défini pour faire exactement ce qu'il veut. Je ne suis pas d'accord quand Maître Sikati en veut un président qui va placer un joueur, mais comment il fait au quotidien pour les nourrir? Personne ne sait. Donc, nous sommes dans un environnement où... Ce que j'essaie de dire, et je sais que vous comprenez très bien, c'est que les clubs au Cameroun sont devenus des entreprises commerciales pour des présidents de clubs. Ils utilisent ces clubs-là pour faire le transfert des joueurs. Donc, ils font leur business sur les joueurs. En réalité, ce qui leur plaît, ce n'est pas parce qu'ils aiment le jeu. Et ça, vous le savez très bien. Je vais continuer. Parce que quand on aime le jeu, on garde les meilleurs joueurs pour gagner davantage. Maître, un champion du Cameroun a 25 millions de francs. Vous faites comme... S'il vous plaît, je vous prends un exemple concret. Si vous n'allez pas dans le club, un champion du Cameroun a 25 millions en Ligue 1. Non, mais c'est pas ça. Oh, s'il te plaît. Il a un budget annuel de moins 120 millions. C'est-à-dire qu'il a dépensé 120 millions. Vous allez demander à un club d'expliquer. Oh, maître, s'il te plaît. Son discours, pour moi, il n'est pas constructif. Maître, s'il te plaît. Quand tu m'empêches de parler. On va permettre à Serge de continuer. Serge, quand même, allez-y. Un champion au Cameroun gagne 25 millions. Non, mais c'est pas le champion doit pas attendre les 25 millions de l'Afrique du Cameroun. Il a dépensé 150 millions pour avoir un gain de 25 millions. Il n'a pas de recette de stade. Donc il n'y a pas de recette autre que les 25 millions sur lesquels il pourra compter en dehors de subventions de l'État. Ça veut dire que si vous regardez en termes de coût réel, de gain, c'est-à-dire, je parle sous le contrôle de ceux qui nous suivent, il a 25 millions parce qu'il est champion. À côté, il aura peut-être 2 millions ou 3 millions de recettes globales sur la saison. Et il aura la quote-part de l'État en matière de participation en salaire des joueurs. Donc il va encaisser pour tout et pour tout peut-être 35 millions. Il a dépensé 120 millions. Vous pensez qu'il a pris la différence entre les 120 et les 35 millions où? Donc il y a quelqu'un quelque part qui allait prendre de l'argent pour lui donner. Mais je veux dire, quand il a la chance d'avoir une pépite, qu'il peut, parce qu'il est moins visible au Cameroun. Il faut transférer. Le placer quelque part et espérer sur lui plus tard. Il projette une progéniture derrière. Il s'est dit, en plaçant celui-là, il peut maintenant monter un centre de formation derrière. D'accord. Voilà. Okay. Non, il peut bâtir quelque chose. On dénonce aussi la fuite des talents. Non, mais bon. Moi, un joueur qui a été bon à l'école, là même sur les finales, c'est là qu'il peut l'empêcher de partir. Non, faisons un débat. Une réaction rapide, maître. Non, une réaction rapide. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire parce qu'on ne fait pas un débat pour amuser la galerie. Je pense qu'on fait un débat parce qu'à notre niveau, on voudrait contribuer à la professionnalisation du football. Moi, je trouve que le point de vue de M. Kamdem Kwam, c'est le point de vue d'un dirigeant de club qui défend sa chapelle parce qu'il est impliqué dans ce que moi, je dénonce. Et moi, je dis ça m'embête. J'ai dit ça m'embête pourquoi? Parce que il est en train de tout vous expliquer, mais il oublie de vous expliquer comment un dirigeant de club doit faire pour financer sa structure. Le dirigeant de club finance la structure pas à travers les subventions, pas à travers les recettes de stade, pas à travers les transferts des joueurs. Je vous ai dit tout à l'heure que les meilleurs clubs africains ne transfèrent pas les meilleurs joueurs. Donc si vous, en tant que dirigeant de club, vous pensez que la meilleure chose que vous avez à faire pour avoir des rentrées d'argent, c'est de transférer les joueurs, vous vous trompez. Ce que vous devez faire, c'est de créer des conditions adéquates pour que des sponsors viennent chez vous. Et quand je parle de conditions adéquates, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire la première chose, c'est que vous devez avoir une transparence dans la structure, dans l'administration du club. Il faut arrêter ce concept qui veut que les clubs sont des affaires personnelles. Les dirigeants de clubs camerounais doivent avoir le sens de l'ouverture. Quand vous voyez un club comme le National Al Ahly, vous savez qui sont ceux qui élisent les dirigeants de clubs? Vous savez qui sont? Ce sont les supporters. Donc ce sont des grosses sociétés. Donc ce que je veux dire, c'est quand vous personnalisez les clubs, moi en tant que sponsor, je ne peux pas mettre mon argent entre les mains d'un dirigeant de club qui me dira je veux utiliser cet argent pour le club, alors qu'en réalité l'argent sera le sien. Ce que nous devons, au-delà des problèmes structurels dont vous parlez là, moi je veux comprendre une chose. Dites-moi pourquoi est-ce que les dirigeants de clubs ne peuvent pas, par exemple, s'arranger. Quand vous voyez une ville comme Douala, en Ligue 1, vous avez pratiquement 4 clubs. Vous y voyez, regardez une grande ville comme Paris. Un club en Ligue 1. Marseille, une ville, un club. Vous venez regarder Douala en Ligue 1 et Ligue 2. Vous avez pratiquement, je pense, ça va faire au moins 9 clubs, 9 ou 10 clubs. Mais où sont les moyens pour ça? Donc, la fédération est aussi responsable. Pourquoi? Parce que si la fédération fixait un cahier des charges, monsieur Kamdem parlait tout à l'heure du Maroc. Au Maroc, pour jouer en Ligue 1, vous devez avoir un budget,
un budget propre avant le début du championnat d'au moins 500 millions de francs CFA. Je dis propre, avant d'attendre la contribution des sponsors. Mais au Cameroun, lorsque la déclaration révisée de loi avait été adoptée, il avait été dit qu'à compter de la saison 2013, les clubs camerounais devaient avoir un stade d'entraînement, un siège. Mais aujourd'hui, quel club a un stade d'entraînement? Quel club a un siège? Il y a des clubs qui ont quand même des sièges. Quelques messages avant la réaction de Dr Mbappé. Bonsoir, le football n'a jamais développé un pays. Je trouve que l'État dépense déjà trop pour le foot sans retomber. Donc, n'attendez plus pour ce divertissement. C'est Yao Asoa qui réagit ce soir. Autre message qui nous parvient à l'instant. On dit que le championnat camerounais est mauvais parce qu'aucun club n'a gagné la Ligue des champions africaine. Relève de l'ignorance, parce que lorsqu'on fait un parallélisme avec la Ligue des champions européenne, on se rend compte que depuis 4 ans aujourd'hui, les clubs anglais ne sont plus compétitifs. Pourtant, le championnat anglais est le championnat le plus relevé au monde. Non, il n'a pas parlé. Nous sommes éliminés en 16e de finale. On a dit on est en 16e de finale. Les Anglais, ne l'égorgez pas. C'est une réaction. Il a donné un avis. Ne l'égorgez pas. C'est fini, il ne suit pas. Il y a beaucoup de messages qui arrivent. Bonsoir à vous sur le plateau. Les sponsors ne sponsorisent pas parce que d'autres prennent la chose pour leurs proches. C'est un message qui nous vient du Gabon. Ça rejoint un peu le déploiement de Maître Sikati tout à l'heure. Qui parle dans tous les clubs érigés en société. Bamboutos est devenu une société anonyme. C'est un téléspectateur de Bouddha qui nous regarde ce soir. Merci pour la précision. Bonsoir. Le championnat du Cameroun n'a pas de sens. Imaginez une équipe comme Astre de Douala qui engage les joueurs depuis le début de saison et est incapable de payer les contrats. Et les joueurs des Astres de Douala sont en grève. Pourtant, ils vont jouer dimanche. Les joueurs ont décidé de ne plus jouer sans argent. Ils sont donc en grève. C'est un message qui n'est pas signé. Serge Kamdemkam, justement, vous qui êtes prête de cette équipe des Astres. Non, toutes les équipes ont des problèmes. Hein. Il faut pas. Celui qui a envoyé ce message, il ne l'a pas signé d'ailleurs, donc c'est pas bon de le lire. Parce que des gens devraient assumer quand même ce qu'ils disent. Mm-hmm. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit du sabotage. Hein. Toutes les équipes vivent des difficultés. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'il y a un ou deux jours, la Ligue a quand même envoyé un peu de liquidité par rapport à l'avance sur la subvention. Non, je voudrais dire que si c'est par rapport au salaire, vraiment, si c'est la raison pour laquelle on va dire que les As ne jouent pas aujourd'hui, je pense que l'administration de ce club est en train de travailler là-dessus. D'accord. Je pense que c'est... Peut-être il y a des remous dans cette situation-là, mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit aussi gravissime. Alors, bonsoir le plateau. S'il vous plaît, dites à Maître et à Sèche de laisser la langue de bois sur Kalos. Un Kameni blessé, vos deux gardiens en Ligue 2. Ses camarades et puis Yaoundé qui dit également que les clubs sont à l'image. Les clubs sont à l'image du Cameroun. Ne faites pas semblant d'ignorer la réalité. Justement, Dr Mbappé, puisqu'on parle de... Serge, quand même. Combien y a-t-il de Serge? On parle de... On va écouter le président de la Ligue dans quelques instants, mais je voudrais vous demander, Dr Mbappé, vous êtes économiste. Comment est-ce qu'on peut justement comprendre la situation actuelle? On parle de financement du football, du championnat professionnel depuis son lancement. Ça fait quand même plusieurs saisons et les sponsors ne suivent toujours pas. Comment est-ce que vous l'expliquez? Ok. D'abord, limiter le financement seulement au sponsoring, pour moi, c'est pour ça que j'ai trouvé un peu la thématique un peu restrictive. Parce qu'il faut aller au-delà du sponsoring. Le sponsoring n'est qu'une forme de financement. Donc, on parle de sponsoring comme l'émission a aussi une vertu didactique. Qu'on dise que le sponsoring, pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est une aide financière apportée par un partenaire annonceur à un club, à une association, à un individu. En contrepartie, n'est-ce pas, des différentes formes de visibilité. Voilà. Donc il y a une contrepartie dans le sponsoring. Donc, parce qu'on utilise ces anglicismes-là, il faut que les téléspectateurs comprennent. Donc le sponsoring n'est qu'une forme de financement. Ouais. C'est pour ça que
la Ligue de football professionnel a pris donc son ballon, son bâton de pèlerin pour dire il faut certes le sponsoring. Mm-hmm. Et c'est aussi pour ça qu'elle a fait intervenir l'État. Le premier ministre chef du gouvernement a pris sur lui de mettre sur pied un ensemble d'incitations fiscales pour encourager les entreprises à venir comme sponsor, mm-hmm. mais à venir plus que la qualité de sponsor, c'est-à-dire à venir comme actionnaire, comme copropriétaire. Copropriétaire qui prend donc des actions et partage donc le risque avec les clubs et pourra donc prétendre à la perception d'un dividende. Mmh. Si les résultats, parce que ça devient une société commerciale, donc c'est pour faire du profit. Alors, tout ceci pour dire donc qu'il faut donc créer les conditions. Il y a la responsabilité des clubs, mmh. c'est pour ça qu'il faut un renforcement des capacités. Maître Sikati avait raison de dire que au niveau de la gestion, les clubs, là, il y a un flou. Oui. Et c'est pour ça que la Ligue, en collaboration avec le gouvernement, a pris sur lui de faire certifier les 5 années, les 5 exercices au niveau de chaque club professionnel. Donc dès la fin de la saison, c'est un engagement qui a été pris et le Premier ministre a donné son accord pour accompagner la Ligue. Mmh. On va certifier. Ça permet déjà aux potentiels investisseurs dans nos entreprises de venir avec plus de sérénité. Bon, ça c'est. Donc j'ai dit, il y a le sponsoring, mmh. il y a l'actionnariat. Et maintenant, il peut aussi avoir le mécénat. Maître Sikati l'a évité, l'a évoqué. Mais c'est passé, il n'y a plus ça. Non, ça peut toujours exister. Ça peut toujours exister parce que vous avez vu, tout à l'heure, par rapport à ce qu'un club, par rapport à ce qu'un club véhicule comme image, par rapport à ce qu'un club véhicule comme image, nous avons des clubs qui ont une assise populaire, hein, qui sont très très. Donc, ce que l'entreprise recherche, c'est aussi cette exposition-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on. On fasse du sponsoring, certes, qu'on aille à l'actionnariat et puis éventuellement qu'on fasse intervenir l'État et l'État a mis en place un ensemble de mesures incitatives mm-hmm. qui permettent donc aux entreprises de venir et d'avoir donc des avantages fiscaux. C'est-à-dire, par exemple, que les dons et les subventions que les entreprises peuvent faire vont être exonérées, vont être défiscalisées à hauteur de 5%. Mais pourquoi justement les entreprises ne suivent pas? Parce que, premièrement, il y a la difficulté, c'est que la Ligue n'a pas un exécutif qui est stable. Depuis pratiquement 4 ou 5 ans, nous avons un exécutif provisoire. Et c'est pour ça que les élections qui vont être organisées le 28 sont là pour la sérénité. Au niveau des bien sûr, ça donne déjà au moins la sérénité. Ça permet d'avoir un interlocuteur fiable, qui est crédible et qui... Monsieur Mbappé, moi je voudrais ajouter un peu... voilà. Pas à ce niveau-là, parce qu'au niveau de la Ligue et autres, moi j'ai dit qu'on laisse les enfants jouer, qu'on ne revienne pas là-dessus. Moi je disais aussi que par rapport à l'assise populaire des clubs dont vous avez parlé, on pourrait aussi avoir une autre ouverture. C'est-à-dire dans le merchandising, c'est-à-dire la vente de produits, par exemple, dérivés. C'est-à-dire, j'arrive, par exemple, moi je vais parfois à City Sport. Mm-hmm. Je trouve quand même le maillot de l'Union de Douala accroché. Bon, il y a quelque chose. Donc maintenant, quand il y a une assise populaire assez fiable, je rejoins un tout petit peu Maître Sakati qui disait que comment est-ce que à Paris, vous voyez un peu, à Paris, il n'y a qu'un seul grand club qui est en première division. Vous voyez un peu. Bon, à Marseille, il y a un seul club. Bon, maintenant, si ici, prenons le cas de Douala, où on rassemblait tous ces clubs et qu'on reviendrait tous dans l'Union de Douala, je vous dis que ce serait franchement quelque chose d'assez puissant et d'assez fort. Regardez, si nous avons les supporters des As de Douala. C'est pour ça qu'ils parlaient. Voilà. Donc, peut-être fallait peut-être revoir. Donc, avec ceci, avec le merchandising, en dehors du sponsoring, on pourrait aussi et faire des rentrées dans les clubs supplémentaires. Et ça pourrait faire en sorte que effectivement les choses évoluent dans les bonnes conditions. D'accord, je voudrais qu'on ait écouté le président justement de la Ligue de football professionnel qui avait organisé une autre rencontre pareille, toujours dans la ville de Douala, il y a l'année dernière, pour présenter les avantages liés à la fiscalité aux entreprises. Et il avait quand même parlé aussi des blocages du budget de l'État qui n'est pas toujours disponible à temps, d'où l'importance d'avoir un financement de la part des privés et aussi pour les clubs d'être véritablement des clubs professionnels. On écoute Pierre Semeny. Nous avons bien dit qu'il faut que les clubs soient professionnels. D'abord, il faut que, tout au moins comme la loi le dit, les clubs professionnels se mutent en société, je peux dire commerciale. Bon, la plupart de nos clubs ont fait cela, mais en réalité, ces sociétés, je peux dire, ne fonctionnent pas encore.
et celle qui fonctionne, fonctionne mal. Au total, l'État donne donc à peu près, je peux dire 560 plus 350, ce qui fait 910 millions pour que la Ligue marche. Et l'Afrique Foot donne 410 millions pour les compétitions. C'est au total 1 milliard 320 millions. Voilà ce que nous avons. Comparé aux 15 milliards qu'il faudrait. C'est infime. L'État a toutefois prévu un certain nombre de choses pour suppléer, pour le supplier dans cette affaire. En donnant des exonérations fiscales, nous avons sollicité le gouvernement pour faire quelque chose, puisque le budget a des contraintes. Le budget a des contraintes. On ne sort pas le budget comme ça et puis il faut le sortir par palier. On vous donne une allocation pour un trimestre. Et même quand on vote le budget le 1er janvier, le 2 janvier, on ne pouvait pas réellement le consommer. Donc voilà un certain nombre de choses. On ne peut pas dépendre de cela. Il faut, et dans la plupart des pays d'ailleurs, c'est le privé qui finance le football professionnel. Bon, vous m'avez dit, oui, si une société va injecter l'argent dans l'Union, mais c'est une société, normalement, si la société marche normalement, mettons celui qui est le principal actionnaire doit pouvoir diriger la société, c'est normal. C'est comme ça que. Je dis comme ça. Paris Saint-Germain, je crois que c'est les. Comment il s'appelle ? Qatari. Est-ce qu'ils ont enlevé le nom de Paris Saint-Germain ? Est-ce qu'ils ont enlevé le sigle de Paris Saint-Germain ? On demande seulement que Paris Saint-Germain soit une très bonne équipe dans le. Donc, si les Qataris, les Qatariens venaient au Cameroun, prenaient Astre ou New Star, où est le problème ? Pourvu que New Star reste New Star, que Astre reste Astre. Donc, moi, ce n'est pas le problème qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est qu'à l'heure actuelle, les clubs camerounais n'ont même pas de l'argent pour se déplacer. Vous voyez, par exemple, les clubs du Nord, notamment ceux de Division 2, ils doivent faire 14 déplacements au Sud. 18 déplacements au Sud. Et chaque déplacement coûte à peu près 1 million de francs, ou même 2 millions de francs, chaque déplacement. Et comment vous pensez qu'ils vont prendre cet argent où ? Voilà le problème, dans l'immédiat. Peut-être plus tard ça va se faire, mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un dynamisme au départ pour mettre nos clubs à un niveau tel que puissent réellement jouer. Vous pensez qu'à l'heure actuelle, comme les joueurs ne sont pas payés, enfin, le peu qu'on leur donne, même n'est pas payé. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir avoir un football dans ces conditions ? Donc il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre. Retour en plateau après cet extrait de cette rencontre de la Ligue organisée dans la ville de Douala l'année dernière. On va quand même constater, docteur, avant M. Sikati, que les problèmes soulevés il y a un an sont restés les mêmes. Hein. Oui, les problèmes sont restés les mêmes. C'est pour ça que la Ligue, en collaboration avec le GICAM, veut prendre le taureau par les cornes. Je crois que ces problèmes sont résumés dans les exigences que le GICAM a présentées lors de la dernière rencontre avec la Ligue. Mmh. Dit que, premièrement, il fallait que tous ces clubs-là soient érigés en société. Mmh. Deuxièmement, il faut ouvrir le capital aux entreprises. Troisièmement, il faut garantir la bonne gestion des fonds alloués. Ça rejoint la préoccupation de M. Sikati. Mmh. Et cinquièmement, là, il faut garantir la rentabilité parce que ça devient un business. Uh-huh. Ça veut dire qu'il faut mettre en place un nouveau modèle économique, un nouveau business model, un nouveau système de financement du football qui va intégrer le sponsoring, qui va intégrer l'actionnariat, donc impliquer les entreprises. Hein, mais les entreprises veulent donc pour cela une sérénité, que les clubs soient bien organisés. Donc, ce nouveau modèle va venir quand ?
Justement, c'est la réunion a lieu de demain ou après-demain, vendredi, oui. Avec le GICAM. Oui. Il y aura, vous savez très bien que le portefeuille du GICAM, c'est une bonne brochette d'entreprise. Uh-huh. Donc, quand les entreprises vont comprendre qu'elles ont des avantages à financer le football, uh-huh, parce que ça peut leur faire des exonérations, des déductions au niveau du paiement des impôts, et surtout que ça peut maintenant leur amener la visibilité, parce qu'on va faire des efforts, on va renforcer les capacités au niveau de l'administration, uh-huh, des administrateurs du football. Je pense que tout cela, et que les clubs sont devenus des sociétés, et que l'État également est là, le gouvernement soutient ce projet, je crois que les entreprises seront plus enclines à venir financer le football. Uh-huh. Alors, seul Coton Sport remplit quelques conditions du cahier de charges pour un club professionnel, c'est Joël Ewanet depuis Douala qui nous envoie ce message. Maître Sikati, vous voulez réagir? Oui, mais c'est vrai, il a parfaitement raison, mais peut-être ce qu'il aurait fallu ajouter, c'est que Coton Sport aussi manque d'ambition. Absolument. Lorsque Coton Sport a un joueur qui réussit à éclore en championnat, la saison qui suit, Coton Sport le vend. Je ne veux pas parler Edgar, Sali, Aboubakar, et tout le reste. Il n'a pas la cise populaire. Donc je vais revenir sur ce qu'on appelle société commerciale au niveau des clubs professionnels. Parce que vous savez, il ne suffit pas de dire lorsque les clubs auront le statut de société commerciale, les sponsors vont venir. Il y a des sociétés commerciales dont le capital est ouvert. Il y a des sociétés commerciales dont le capital est fermé. La plupart des clubs de la Ligue de football professionnel, que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue 2, ont choisi un statut fermé qu'on appelle la société à responsabilité limitée. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une société où tout le monde ne peut pas avoir accès au capital. Si les clubs camerounais avaient choisi la forme des sociétés anonymes, ça veut tout simplement dire que vous, Makeda, si vous décidez par exemple de prendre des actions dans Astre de Douala, si vous prenez la plupart des actions, vous devenez actionnaire majoritaire, vous nommez le directeur du club, vous choisissez l'entraîneur, vous nommez le directeur sportif qui recrute les joueurs. En réalité, vous contrôlez le club. C'est que les clubs camerounais ont fait, c'est quoi? C'est que quand on leur a demandé de passer statut d'association au statut de société commerciale, ils ont choisi la forme de société qui leur permettait toujours de conserver leur structure. Et c'est pourquoi ça ne peut pas marcher. Je vais prendre l'exemple d'un club comme Union. Union vous dit, on est passé au statut de société commerciale. Mais en même temps, ils vous disent que 51% des actions sont détenues par l'association. Oui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que même si vous êtes un partenaire et que vous venez dans le club, vous ne pouvez au maximum avoir droit qu'à 49% des parts. La conséquence, c'est que l'association Union de Douala conserve la majorité du capital. Et la conséquence, c'est que cette association va continuer à contrôler le club. Donc je veux dire, lorsque le général parle... c'est une mauvaise chose parce qu'à la fin, le capital n'est pas ouvert. Non, il faut une minorité de blocage. Ce n'est pas une minorité, ça c'est la majorité. Donc je dis, quand le général parle de société commerciale, lorsqu'on parle de société commerciale, la société doit être commerciale jusqu'au bout. Par exemple, regardez les comptabilités des clubs. Quel club dans le championnat camerounais qui a des statuts de société commerciale a une comptabilité de société commerciale? Combien de clubs ont déjà certifié un bilan? Ont même déjà pensé à faire présenter un bilan chez un expert comptable. Merci, maître. Donc, c'est pas fini. On va pas se mettre pressé. Si vous voulez qu'on explique comment faire. Allez-y, maître. Bon, si vous voulez seulement équilibrer le temps de parole, je vais être obligé de me taire. Je n'ai pas été long. Parce que j'ai pris la parole. Tout à l'heure, j'ai posé un problème, le problème de la concentration des clubs des grandes villes. Quand je vois, par exemple, dans une ville comme Douala, dans une ville comme Yaoundé, on a des clubs qui sont disparus, ça pose problème. Parce que si vous avez des sponsors qui décident de se mettre derrière le club ici, ça va poser problème parce qu'en général, les clubs sont puissants financièrement quand ils ont plusieurs sponsors. Prenez un club comme le National Al Ahly, le Phare de Rabat, le Fus de Rabat, l'Entente Sétif d'Alger, ils ont au moins 15 sponsors. Donc, ce que je veux dire, c'est que la fédération est capable de favoriser la concentration des clubs. Mais comme aujourd'hui, les gens veulent contenter les présidents des clubs parce qu'on veut les avoir au moment des élections. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de contraintes qu'on doit mettre sur les présidents des clubs qu'on ne fait pas. Uh-huh. Je suis désolé. Il y a beaucoup de contraintes qu'on ne fait pas. Quand on parle des avantages de fiscalité, je voudrais vous dire, M. Serge Bappé, ces avantages-là existent dans le Code général des impôts depuis l'avènement du Cameroun à l'indépendance. Quand une entreprise fait un don... Non, ils connaissent. Les entreprises font des déclarations fiscales. Les entreprises ont un service comptable compétent. Quand une entreprise fait un don
ce dont-là, ça rentre dans ce qu'on appelle les charges déductibles. Donc, ne pensez pas que c'est demain, quand une entreprise va mettre de l'argent. Donc, aux associations sportives. Non, je vous dis, c'est une nouvelle disposition du code. Non, ça existe. Les dons, les dons sont inscrits au registre des charges déductibles. Ça veut dire que si une entreprise fait un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs par an et a fait des dons, comme vous le dites là, de l'ordre de 200 millions, au moment de calculer ses impôts, on ne calcule pas les impôts sur 200 milliards, sur 2 milliards. On calcule les impôts sur 1 milliard 800 millions. Voilà. Et ça a toujours été comme ça. Merci. Mais beaucoup d'entreprises ne le savaient pas. Non, ils le savent. Ils ont un service comptable. Serge Kamdem. Je voudrais, à la suite de maître, clarifier d'abord certaines choses. Le fait qu'un responsable de club transfère son joueur n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais c'est la politique mise en place pour l'équilibre de son groupe qui est importante. Les clubs fonctionnent avec des ambitions différentes. Il y a des clubs qui ont pour objectif seulement de former. Former et mettre à la disposition des autres. Prenez un club comme APGES dans notre championnat. APGES a joué la Ligue 2, n'a même jamais. C'est-à-dire chaque fois qu'elle joue dans le championnat, pendant que les gens cherchaient les titres, APGES jouait son maintien. Former, s'il vous plaît. Maître. Non, le FC Nantes en France ne cherche pas à être champion. Ils ont déjà été champions. Mais ils ne cherchent pas à le faire. Si. Je veux dire que dans leur objectif de départ, on sait qu'on ne va pas être champion. Si. C'est-à-dire, le Chester qui a gagné en Angleterre ne venait pas pour être champion au départ. Comment ça? Non. Je veux dire de façon sereine. Non, ça, je suis pas d'accord. Bon, ok. En passant, n'est-ce pas? De façon très simple. Lorsqu'on a pour objectif de faire dans la formation, on forme les joueurs et on sait qu'on va les former, les meilleurs seront remis à ceux qui ont plus de moyens. Et l'argent qu'ils vont verser va permettre de développer sa structure depuis la base. L'handicap chez nous, c'est que la structuration n'est pas bonne. C'est-à-dire tellement... Et déjà, je voudrais clarifier quelque chose pour ceux qui nous suivent. Hein. Quand un enfant a joué dans un ballon chez vous pour même 6 mois et qu'il a déjà des tentacules à l'extérieur, c'est même pas vous le président qui voulait qu'il parte. Sa famille commence à vous mettre le flingue dans le dos. Hein. Parce qu'on a comme impression... C'est pas l'environnement du football qui est le problème pour lui. C'est l'État, c'est-à-dire c'est l'environnement du Cameroun en général qui ne sied pas. Donc quand cet enfant-là et sa famille sentent le malaise et on pense qu'à travers lui, on aura un Samuel Eto'o, vous devenez le problème quand vous ne voulez pas qu'il parte. Vous avez beau lui dire maintenant... Attention, petit, attends, avec l'agent qui est l'agent du club. Mais vous savez de quoi je parle. La famille, vous allez le voir qu'on va aller signer avec un autre, de façon sous-marine, pour le faire voyager. Et on met le couteau sur le président du club parce qu'on voudrait l'autorisation de sortie. Donc, c'est des hypothèses que je voudrais prendre simplement pour clarifier certaines choses. Maintenant, pour revenir à l'organisation, pour revenir au club, s'il te plaît, je voudrais dire... Le fait que vous avez pris l'exemple de l'Union pour parler de transformation avec une grande partie qui appartient à l'association, c'est la demande, c'est comme ça qu'on a prévu le professionnalisme au Cameroun, dans les textes de base de la FIFA. S'il te plaît, pour dire quoi? Pour dire ceci, sachant que le club, 49%, s'il vous plaît, maître, je voulais dire que le club, ce n'est pas seulement la partie professionnelle. 49%, c'est beaucoup. Vous comprenez, docteur? Le club, ce n'est pas seulement la partie professionnelle. La partie, c'est un agencement du club. Il y a la partie formation. Il y a la section formation. Préformation qui devrait exister. S'il te plaît. C'est une exigence de la CAF. Je te dis que ces choses-là, c'est comme ça qu'on a bâti les textes au départ pour les créer. Et on a dit qu'un club est en Ligue 2, il n'a pas l'obligation d'avoir une partie professionnelle, il n'a pas l'obligation. Quand il est au niveau de régional, il n'a pas l'obligation. Maintenant, quand il passe professionnel. Le régional, c'est un championnat amateur, monsieur. Bien sûr, donc quand il passe donc professionnel, il doit créer en son sein une partie professionnelle pour gérer cette. Tout ce qui est conforme à la loi de 2011. Pour jouer en Ligue 1 et Ligue 2, il faut être pro. S'il te plaît. C'est la partie professionnelle du club qui joue. Maintenant, il y a une partie formation, tout ça, qui existe. Qui est obligatoire. Et l'association qui gère cette partie-là. Voilà. Pour expliquer... C'est-à-dire que tous les clubs, même en Europe, Paris Saint-Germain a des équipes amateurs et des équipes professionnelles. C'est Zambo. On parle des équipes professionnelles. C'est pas ce qu'on en dit. Alors, peut-être un message avant la réaction de Serge Zambo. Les clubs comme Canon, TKC, Coton, Union de Douala ne devraient plus appartenir à des gens, mais aux supporters, tels que ça se fait en Côte d'Ivoire. Les présidents des clubs doivent être votés par les supporters. C'est Serge depuis le Canada qui nous envoie ce message. Alors, Serge Zambo, on a parfois aussi estimé que la gestion, par exemple, des équipes de communauté, ce n'est pas forcément la même chose avec les équipes basées peut-être dans d'autres entreprises. Absolument. Est-ce que vous qui suivez depuis des longues années le développement de notre football, c'est la certitude que vous avez? Oui, forcément. Moi, je dis d'une façon ou d'une autre,
le sponsoring, d'une certaine manière, existait bien longtemps, il y a bien longtemps. Bon, Serge Mbappé, qui est assis là, que j'respecte d'ailleurs beaucoup, supporter de Canon et autres, pourra me le dire. Parce qu'à l'époque, nous avions des structures comme la CAMER, la SNEC, la SONEL, qui intervenaient jadis dans le football camerounais, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que dans le Canon, par exemple, on retrouvait des Jacques Roux, feu Jacques Roux qui est décédé, qui travaillait à la SNEC et à Béga Théophile. Qui a été. Attendez, je n'ai pas parlé de professionnalisme. Je n'ai pas parlé du professionnalisme. Je suis en train de parler d'un sponsoring d'une autre manière. C'est des germes. Voilà. Mais sauf que c'est des choses qui n'ont pas pu être perpétuées, c'est-à-dire avec le courant qui passe en ce moment. Ça ne peut pas être perpétué parce que dans les pays où le professionnalisme marche, ce n'est pas comme ça. Non. Écoutez, quand on dit joueur professionnel, il s'occupe que du foot. Il se lève le matin, il va à l'entraînement. Oui. Tout. Nous le savions tous. Ces gars ne travaillaient à la limite pas. Ces gars ne travaillaient pas à la limite. C'était justement pour permettre à ces gars d'avoir quelque chose à la fin du mois pour pouvoir vivre. C'était pour arrondir les angles. Ils peuvent être salariés. Voilà. Non, mais je n'ai pas dit qu'on devrait perpétuer. Mais c'est des choses. Monsieur Serge Ambo. Oui. Je voudrais que vous teniez. Maître l'a interrompu à Maké. Non, je veux le relancer. C'est la parenthèse. Voilà. Et puis il va continuer. Pour l'avenir. Parce que vous nous ramenez dans un passé non. Qui est d'accord. Non, je n'ai pas dit que vous ramenez. Je veux dire que. Nous, qu'est-ce qu'on va faire prochainement? Et bizarrement, le passé d'il y a 35 ans dont vous parliez, le Canon nous ramenait des Coupes d'Afrique des Nations. L'Union nous ramenait, pas des Coupes d'Afrique des Nations, des Coupes de clubs. Vous savez, vous voyez, hein? Parce qu'à l'époque, l'Afrique, c'était comme ça partout. Ah, c'était pas comme ça partout. Je suis désolé. Le football était comme ça partout. Je suis désolé, c'était pas comme ça partout. Allez-y dans votre développement. Je vais dans mon développement. Sauf que. Mais tu as tout fait pour le perdre. Hein. Ah, il a tout fait justement pour le perdre. Je comprends. Dans ce qu'il dit, je comprends que demain, je suis président d'un club, je dois aller chercher des joueurs que je fais employer dans des entreprises, comme ça, j'aurai résolu. Il a montré que ce n'est pas juste. J'ai dit, c'est aussi. Pourquoi faire l'exercice de sa pensée alors qu'il est dans le secret de ma tête? Mettez-lui dans la tête. Oh, ben mère, à 16 en bout de. Permettez que je suis. Donc, moi, je disais donc. En ce qui concerne le sponsoring, il existait d'une façon, d'une manière ou d'une autre au Cameroun. Maintenant, avec... Je ne pense pas que c'était le mécénat. Si. Non. Le sponsoring, il y a une contrepartie pour l'entreprise qui est la publicité de son produit ou son service. Oui, justement. À cette époque, le tonnerre de Yaoundé, par exemple. Zoukla gagnait quoi quand il mettait son agent dans le Zoukla BTP. Il mettait BTP. Zoukla BTP. Zoukla BTP. Et Dieu seul sait que la communauté est 20, plus de 20, plus de 1 milliard. Il mettait Zoukla BTP. Qui a été payé récemment. Le tonnerre de Yaoundé mettait qui là? Je me souviens que j'ai vu le tonnerre de Yaoundé avec qui là. Voilà. Et je voulais même encore dire que par la suite, il y a des gars qui ont pensé. D'une façon ou d'une autre, avec la création de tonnerre SAOS et Sumba Yenga par exemple. Absolument. Donc il est passé quand même, il avait un cran un peu au-dessus. C'est-à-dire, moi j'ai mon oncle aujourd'hui qui est décédé, qui, lorsque le tonnerre existait en SAOS, continuait, notre famille, nous, on continuait à percevoir les dividendes de ce tonnerre-là, absolument. À la fin de chaque année. Oui, moi je vous le dis. Oui. Moi je vous le dis et je certifie ce que je suis en train de dire. Monsieur Hilerze demandait à Sumba Yenga, nous avons pris une fois, il y a peut-être 4 ou 5 ans ou 6 ans, un 280 000 qui provenait de là parce que mon oncle avait été actionnaire. D'une façon ou d'une autre. Oui, parce qu'il a créé sa SAOS. Bon, aujourd'hui, avec le vent, le courant, les choses qui vont très vite, il faudrait bien repenser la chose, un peu comme vous dites. Ouvrir le marché pour que tout le monde puisse intégrer. Et pour que, pourquoi pas porter les noms, associer les noms de ces gens qui sponsorisent à ces clubs. Ça s'appelle le naming. Voilà, le naming, par exemple. Voilà qu'il nous donne le mot. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que j'ai vu, je crois qu'en France, la Ligue 2 va prendre un nom. Absolument. Parce qu'il y a quelqu'un là, qui est venu mettre la Ligue 2 en France. En Angleterre. Donc, voilà. Donc, si. Attendez, c'est là 4 ans. Alors, docteur Mbappé, vous avez terminé, Serge Kamdé. Il y a de cela 4 ans. Voilà. MTN, Elite One, MTN, Elite Two. Je suis d'accord. Avec alors, depuis. Moi, je parle des clubs. Comment ça a changé? Si on peut descendre aussi au niveau des clubs. Mettez. On revient à la. Je voudrais vous demander, docteur Mbappé, vous qui avez quand même l'expérience des autres pays, là on est dans les quelques minutes qui nous restent par rapport à cette émission. Concrètement, que devrait faire le Cameroun pour attirer davantage de financement, de sponsors et autres par rapport à son championnat? Ok. Plusieurs choses à la fois, parce qu'il faut que ce soit des actions combinées. Responsabilité d'abord des clubs, parce qu'il faut changer de culture. Il faut comprendre que les clubs sont désormais des sociétés, bien qu'elles aient choisi pour la plupart la forme SARL, mais c'est une possibilité que donnent les dispositions de la CAF. Bon, mais tout ce qu'il faut, c'est qu'il faut que ces sociétés-là soient
gérer de façon saine. Il faut rendre plus rigoureuse la gestion. C'est pour ça qu'il faut un renforcement des capacités. Ouais. Au niveau des clubs aussi, il faut ramener les gens au stade. Ça, ce n'est pas la responsabilité de la Ligue ou de l'État. C'est les clubs eux-mêmes. Il faut ramener les gens au stade. Il faut plus de sociaux. Il faut encourager l'adhésion populaire. Parce qu'un club de football, c'est d'abord l'adhésion populaire. Un peu comme on a vu le Canon à l'époque, comme l'Union Kamaka et Nassara, comme Diamant de Yaoundé, tous ces grands clubs-là. C'est pour ça que nous autres, lors des états généraux du sport, nous avions proposé, comme forme de professionnalisme, je faisais partie de l'atelier 4 football, avec Bel Joseph Antoine, le professeur Minkwache, etc. Nous avions proposé qu'on fasse la franchise comme aux États-Unis. Justement pour que le championnat soit adossé sur cette base populaire des équipes. Racine de Bafoussam avait la main cinglée, le Canon de Yaoundé, le Tonnerre. Justement pour lever cette limite-là que Maître Sikati évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une dizaine de clubs d'élite à Douala, il y aura un problème forcément pour que les sociétés puissent se partager, pour que les clubs puissent se partager ces entreprises. Donc, responsabilité des clubs. Responsabilité de la Ligue, c'est ce que la Ligue fait, va rencontrer le JICAM, essaie d'intéresser les entreprises et a appelé donc le gouvernement au secours. Donc un partenariat public-privé, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures incitatives pour que les entreprises comprennent qu'en mettant l'argent dans le football, elles ont des avantages. Non seulement elles ont une contrepartie en termes de visibilité, et les entreprises devraient donc avoir aussi un droit de regard. Absolument. À partir du moment où elles peuvent devenir actionnaires à hauteur de 20%, parce que c'est ce que le JICAM, les entreprises du JICAM ont proposé à la Ligue. Ouvrir le capital jusqu'à 20% pour que les entreprises deviennent actionnaires, détiennent 20% de parts. Je crois qu'avec ça vous donne un droit de regard. Ça vous donne un droit de regard parce que vous devenez copropriétaire et vous avez donc un mot à dire et vous avez droit à la perception des dividendes au cas où l'activité devient rentable. Alors, je voudrais rester avec vous. Est-ce que, comme disait Serge Zamboya à l'instant, il ne faudrait pas contraindre les entreprises, justement, à financer les... Oui, on ne peut pas. Vous avez suivi récemment tous les invités de marque que nous avions. Au lendemain, n'est-ce pas, de ce grand forum sur l'investissement, Cameroun tête d'attractivité. Vous avez vu que ce soit le premier ministre Barroso, l'ancien premier ministre, ancien président de la Commission européenne a dit l'une des conditions sine qua non, c'est l'état de droit. On ne peut pas, dans un état de droit, obliger ou contraindre les gens. Tout ce qu'il faut, c'est créer les conditions, des incitations pour amener les gens à s'intéresser. C'est ça la démocratie. Et malheureusement, la leçon est dure, mais il faut la respecter. Monsieur Serge Bappé, lorsqu'une société qui est Monsieur Serge Kamdem, on a arrangé l'axe qui devra faire passer son bois. Nous sommes d'accord. Et par-delà, là, les populations riveraines peuvent en profiter. Pourquoi est-ce que dans les contrats, on ne peut pas vous dire, dans votre compte, pas contrainte, vous dire, bon, dans notre contrat, là, ici, chez nous, nous avons la page sport. Pourquoi? La seule chose que l'État pourquoi peut faire, parce que l'État, au Cameroun, l'État tutélaire a plusieurs formes. Ça veut dire que l'État a un portefeuille, l'État est prend des participations, l'État est même propriétaire à 100% de beaucoup de sociétés. Donc l'État peut imposer, parce que ce sont les sociétés qui appartiennent à l'État en propre, exiger à ces sociétés de participer au capital. Alors, un message pour vous, Serge Kamdem, je suis en Ligue 2 de football professionnel au Cameroun, et c'est dans les bureaux, nos acteurs, on souffre sans salaire, et on le fait parce qu'on aime le football. C'est ce que je disais tantôt, j'ai dit au départ, c'est un problème de volonté politique. Et tout à l'heure, je compatis avec, je ne sais pas si c'est un footballeur. Non, il n'a pas dit qu'il n'a pas le salaire parce qu'on ne veut pas lui payer, il n'y en a même pas. Il faut qu'on le dise solennellement, il n'y en a pas. Puisque chacun, personne ne sait comment le président de club ou les dirigeants qui l'entourent font pour payer ses enfants-là. Et c'est ça à quoi on est en train d'arriver. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail pour changer la culture. Et pour changer la culture, ce n'est pas seulement en disant aux dirigeants, il faut ouvrir. Pour ouvrir, il faut savoir ce qu'on ouvre. Parce que même si on a ouvert, je vous dis, je prends le cas de Fouvou. Bien sûr, j'ai dit que je prends l'exemple de Fouvou Club de Bar. Vous êtes DG, oui. Club. Voilà une équipe. Voilà, lorsqu'on dit à la création, on fait le congrès qui ouvre le club aux associés et aux actionnaires. Je vous en prie. Lorsqu'on le fait, le notaire attend, personne ne vient. J'ai dit, personne ne vient. Mais ça doit changer. Mais s'il vous plaît, j'ai dit, Maître Sikati, au niveau de Baham, je vous dis, vous ouvrez, personne ne vient. Non. C'est ce qui se passe avec que vous quoi? De Baham. Je vous dis qu'on a ouvert, on n'a pas vu des gens. Posez-vous la question de savoir pourquoi. Tout le monde est conscient, lorsqu'il a côtoyé un peu le foot comme dirigeant, que c'est une action aujourd'hui, c'est une entreprise qui n'est pas rentable. À la base. Non, mais là, il faut la rendre rentable. Il faut la rendre rentable. En attendant donc qu'on la rende rentable,
on ne peut pas forcément captiver les gens. Je voudrais parler de la c'est salle de spectacle. C'est ces conditions que nous sommes en train de créer. Et c'est pour ça que ces débats sont bien. Tout à l'heure, on a tout parlé, on a tout dit, mais on n'a pas fait allusion à l'espace, même on fait le spectacle. Et j'ai dit, l'État a un grand rôle à faire. Regardez le stade de la réunification. On a pour l'instant le meilleur gazon synthétique du Cameroun. Mais regardez, on joue dessus à 13h30. Vous pensez que le jeune qui vient jouer dessus à 13h30 pour donner quel rendement? Même si vous avez mis n'importe combien d'argent autour. Non, il est important qu'on crée des conditions. Dans la majorité des pays, c'est soit les grandes entreprises, soit les collectivités territoriales qui ont créé les stades. Les ont mis à la disposition des clubs et puis essayent donc de les gérer. Donc il y a une concession, essayent de les gérer pour récupérer l'argent. Moi, Serge Kamdem n'a pas répondu. Vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle peut-être, je n'ai pas bien suivi. Je vous en prie, Serge Zambo, parce que je voulais savoir. Parfois, il y a ce débat-là entre, qui concerne les clubs de communauté. Vous êtes directeur général justement d'un club, pour vos clubs de Baham. Quelles sont, par exemple, les difficultés que vous rencontrez? Déjà, dans le cadre de la communauté, vous savez, dans le cadre de la loi d'abord elle-même, tout le monde ne peut pas venir dans une SA, être actionnaire de façon individuelle. On ne peut pas avoir un nombre d'actionnaires limité. Ça dit, même si vous voulez être tous actionnaires individuellement, à un moment donné, ça peut faire problème. Dans une SA? Oui, on ne peut pas être, le nombre ne peut pas être indéterminé. Si. Non, disons qu'on lance. Il y a des. Non, voici comment ça se passe. C'est une entreprise qui fait. On dit que c'est des entreprises qui font appel à l'épargne publique. Absolument. Ça veut dire que lorsque vous décidez d'ouvrir au capital, vous passez un communiqué pour inviter à ceux qui veulent souscrire pour des actions à venir souscrire. À hauteur de temps. Il n'y a pas un nombre limité pour les actionnaires. On donne le montant nominal de l'action. Voilà. Toi, maintenant, en fonction de tes capacités. D'accord. Je n'ai pas le terme même de la loi, mais. Ce que vous voulez dire, c'est les sociétés à responsabilité. C'est ça qui est fait. Non, je parle de SA. Je veux dire. Pour rentrer dans une société à responsabilité limitée. D'après ce que m'a expliqué le notaire, à la base, c'est que même si vous avez mis l'actionnariat à 10 000 francs, vous ne pouvez pas, ça veut dire vous pouvez pas avoir 1 million de personnes, forcément. Non, on a une société anonyme, vous c'est même ça. Même de SA. Si. T'as dit non, il paraît qu'il y a des conseillers au niveau de la loi. Ce que vous voulez, ce que vous voulez. Oui, il y a une limitation quand même des personnes. Mais vous voyez comment, monsieur Kamdem, à quoi il fait? Non, je vous fais pas le sang. Je vous montre, voilà, avec les petits actionnaires. Oui, mais les petits actionnaires peuvent se regrouper et. C'est ça donc, j'ai dit donc ceci. Donc, il y a cette contrainte. Il y a cette contrainte donc pour que les individus se mutualisent d'abord. Et pour se mutualiser et entrer dans ces genres de capitaux-là, il faut légaliser, il faut que la structure dans laquelle vous êtes mutualisé ait un rendement ou bien une connexion. Non, une connexion. Oh, ça se fait maître, dans le club de supporters. Ça se fait dans le club de supporters. Je dis donc qu'ils s'organisent et quand ils s'organisent, il faut bien qu'ils aient des documents qui permettent aux notaires de les identifier. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, quand je m'appelle l'association X, je vais venir participer au capital. Si vous n'avez pas. Ils se mutualisent. Vous êtes individu, vous là, vous pouvez prendre 10 actions dans le bar. Maître, c'est simple. Individuellement, tu peux mettre. Vous ne répondez pas à ma question, Serge Kamdem. Qui me posait la question, mais c'est que le directeur général. Non, ce n'est pas le directeur général directement qui définit. Il y a eu un conseil d'administration qui travaille. Et ça s'appelle, c'est le sud d'un congrès. Je vous rappelle que la partie professionnelle n'est qu'une partie de l'équipe. Il y a une partie associative qui ouvre une partie des actions. Et qu'elle ouvre cette partie des actions, comme on a dit tantôt, elle donne même les directives pour comment elle va être gérée. C'est-à-dire, dans un groupe, dans une communauté, on va dire, OK, les gros actionnaires, c'est-à-dire ceux qui sentent qu'ils ont les moyens. On ne fixe pas ça au hasard. Ça c'est pour hasard. Vous évaluez d'abord votre besoin de financement. Nous sommes déterminés. Il va terminer. Merci, Kati. Maître, j'ai des problèmes. Je vais le parler. Maître, vas-y. Je veux comprendre. Maître, tu as géré le groupe communautaire. Vas-y. J'explique et vous m'interrompez. Je vous ne dis rien de contraire. Serge, allez-y. Je suis en train de dire, dans les affaires de communauté, j'ai dit, après, à partir du moment où le capital est défini pour le fonctionnement du club professionnel, on attend déjà les volontaires qui veulent souscrire aux actions. Si maintenant des volontaires arrivent, tant mieux. C'est-à-dire qu'on va les enregistrer logiquement. Et vous, dans le cas de Fouvou, M. Dieudonné Kamdem, président du grand club au départ, qui est le club Fouvou de Baham, qui n'est pas encore société, ouvre, j'ai dit au départ, légalement on fait le congrès, on ouvre la SA avec la présence du notaire. Après 10 minutes qu'il parle. On est resté chez le notaire. On est à fait près d'un mois. On n'a pas eu des souscriptions. Non, ça veut dire que votre approche n'est pas bonne. Il faut avoir une approche. Il faut être beaucoup plus proactif. Il faut communiquer. Le docteur Mbappé est en train de parler, maître Sikati. Vraiment, maître Sikati veut parler, c'est le sens de parler. Je vous dis là où vous parlez. J'essaie de vous expliquer. Quand tu parles 15 minutes, on ne t'a pas interrompu. Quand tu parles, tu vas les interrompre. Monsieur Mbappé, expliquez. Je vous explique là où vous avez péché. Si vous lancez un appel public à l'épargne.
hein, souscription, vous disons que vous avez évalué votre besoin, vous voulez 200 millions. Oui. Et vous dites que si c'est 200 millions, il vous faut, je ne sais pas moi, 200 000 personnes qui vont payer 1 000 francs. Le national était à 10 000. Non, je prends un exemple. C'est un exemple que je prends. Donc, si vous allez déposer les papiers chez le notaire, vous attendez que les gens aillent, ça ne se passe pas comme ça. Il faut communiquer, il faut regrouper les gens, il faut faire des réunions, il faut leur expliquer le bien fondé de ça. Pourquoi ils ont intérêt à venir souscrire, prendre une action de Fauvou de Bahame? Quel intérêt ils ont là-bas pour que, leur expliquer que Fauvou de Bahame est viable? Il faut vendre votre club. Il s'agit de ça. C'est ça la société commerciale. Oui. Donc si vous allez, vous commencez les actions et vous restez, vous dites qu'après un mois, personne n'est venu chez le notaire, ça ne se passe. C'est justement cette culture qu'il faut changer maintenant. Il faut être proactif. Il faut créer les conditions du financement. Donc, ce que vous dites est même normal. Je dis, vous vendez, vous faites. Vous avez convoqué les gens, vous l'avez même fait à manger, à boire. Oui. Vous les mettez autour d'une table, c'est là qu'en mangeant, en buvant, vous parlez des bonnes choses. Chacun dit oui, chacun est partant là. Oui. Mais, après, mais après, vous dites même souscrivez. Quand il dit non, je vais venir. Après, vous ne voyez rien. Ce n'est pas le cas. Ah, d'accord. Quelqu'un prend des engagements qui ne respectent pas. Ça, c'est une forme de financement. Maintenant, vous allez aussi au niveau des entreprises. Si vous voyez que les entreprises viennent, ils seront motivés à venir. Si vous voyez, parce qu'il y a plusieurs formes de financement. Bon. Si vous avez un sponsor, si vous avez une entreprise qui devient actionnaire, les petits porteurs viendront forcément. Donc, il faut essayer d'utiliser toutes ces voies, élargir un peu les possibilités de financement. Ce qu'on fait à la fin d'un poursuivre, c'est quoi? C'est au niveau des associations, comme vous dites. C'est-à-dire, en dehors du PCA. Donc, Magueda, vous avez choisi de faire la question. Il termine. Pour la solution. Oui. Pour la solution. Et vous allez réagir. Non, vous allez réagir, maître. Vous êtes en train de proposer une solution. En attendant que maître Sikati crée son club. Pour l'instant, c'est nous qui gérons. J'ai dit, pour l'instant, ce qui est vrai. Non, s'il te plaît, si c'est la provo, on y va. Non, c'est pas la provo, on y va. Comment? Quand il parlait tout à l'heure, je ne l'ai pas interrompu. Restons grands. Mais pour rester grand. La solution que vous proposez. Je suis dit qu'il parle depuis que vous c'est l'insulte. Non, maître exagère juste un peu. Maître exagère, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est méchant. Non, je pense pas. Essayez de chuter. En quelques secondes, vous pensez à une solution. La solution, je pense que le docteur l'a expliqué. C'est-à-dire, les gens doivent trouver l'intérêt à venir souscrire. Et l'intérêt, il doit voir l'arrivée, le gain de ce déplacement qu'ils font pour mettre de leur argent. D'accord. Tout à l'heure, quand Serge Zambo a développé le fait qu'aujourd'hui, ou bien il n'y a pas quelques temps, ils ont reçu quelques subsides. Quand quelqu'un sait que je vais mettre de l'argent aujourd'hui, on va peut-être faire des mouvements de joie, on va avoir des recettes. Il aura quelque chose, il va okay, le mettre. Merci. Mais pour l'instant, quand même, sur le plan de la rentabilisation, c'est que c'est nul. Pour l'instant, Merci, Serge Kamdem. Maître Désiré Sikati, on est pratiquement donc en fin d'émission. Peut-être par rapport à cette rencontre entre la Ligue et qui sera donc au JICAM à vendredi. Mais vous voyez, moi je suis quand même surpris de voir. Est-ce que ce sera un plus? Non, mon problème n'est pas de savoir si ce sera un plus, parce que je pense que les vrais problèmes ne sont pas bien posés dans cette émission. Parce que quand vous avez un dirigeant de club, je comprends qu'on est sur un plateau, on doit faire un débat où chacun a le droit de s'exprimer. Mais je pense quand même que c'est assez dangereux de laisser penser qu'un dirigeant de club qui est en activité. En expliquant la façon dont il gère les clubs au quotidien, c'est cette façon-là qui doit être considérée comme une règle. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à comprendre que chez nous, on est en train de dénoncer, ce qu'on dénonce, on est en train d'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Mm-hmm. Et ça ne marche pas justement parce que ça fonctionne comme M. Kamdem est en train d'expliquer. Vous ne pouvez pas attirer quelqu'un dans l'actionnariat d'une entreprise lorsqu'il ne voit aucun gain. Ça veut dire, il parle de Fauvou de Bahame. Mais quand, si je veux être à Fauvou de Bahame, actionnaire, il faut que je vois bien quelle est la lisibilité? Est-ce que Fauvou de Bahame a un stade d'entraînement? Est-ce que Fauvou de Bahame a un siège? Est-ce que Fauvou de Bahame a des structures élémentaires pour un club qui joue en Ligue 2? Il faut créer des conditions d'attractivité pour l'actionnaire futur. Parce que si vous allez chez le notaire et vous passez des milliers de communiqués pour dire Fauvou de Bahame est en train d'ouvrir son actionnariat, mais je vais me poser la question de savoir, je deviens actionnaire de quoi? Pour gagner quoi? Et c'est ça le véritable problème. Parce que pour attirer les nouveaux financements, c'est ce qu'on appelle les actionnaires. Ouais. Il faudrait déjà que les promoteurs des clubs, parce qu'il y a toujours des gens qui commencent, vous comprenez? Il faut que les promoteurs des clubs soient d'accord pour un départ, de créer les structures primaires. Quand je parle de structures primaires, parce que ça veut tout simplement dire que lorsqu'un sponsor voit que le club a par exemple déjà un stade d'entraînement, le club a des structures de formation des jeunes, le club a
par exemple, des joueurs qui sont pris en charge, qui sont payés, il n'y a pas de remous. Le sponsor comprend que j'ai affaire à un partenaire qui est sérieux. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, quand vous voyez un club comme ASEC d'Abidjan qui a un partenariat avec le Kérin, et chaque année, vous avez pratiquement 5 joueurs de ASEC d'Abidjan qui peuvent aller passer des tests à le Kérin, c'est tout simplement parce que ASEC est venu avec un dossier. Canon, Canon avait le contrat avec le Kérin. Non, je ne veux pas parler de Canon parce que Canon, c'est la même chose que tous les clubs camerounais. J'ai dit justement que la façon. Canon. Oui, mais vous allez. Moi, ça me surprend quand même. Non, ça me surprend. Vous voyez, et la posture de M. Kamdem, c'est exactement la posture de la quasi-totalité des dirigeants camerounais. Tout à l'heure, quand je parlais, tu m'as interrompu. Tout à l'heure, quand je parlais, tu m'as interrompu. Moi, je suis pour la construction du football. Absolument. Vous comprenez? Parce que mon rêve, c'est quoi? Mon rêve, c'est que demain, que le Cameroun ait des clubs qui soient vraiment structurés, qu'on ait des joueurs qui sont capables de jouer ici chez nous. Est-ce que vous trouvez normal que des joueurs camerounais partent du Cameroun pour aller jouer dans un club congolais? Je veux dire, un club du Congo-Brazzaville, parce que ce club paye bien. Vous pensez vraiment que le Congo a des potentiels, a un potentiel économique qui est au-dessus de celui du Cameroun? Il y a un problème de management. Pourquoi, dites-moi, pourquoi est-ce que le club congolais peut recruter des joueurs camerounais alors qu'ils ont des joueurs au Congo? C'est tout simplement parce qu'ils sont ambitieux. Et depuis qu'ils ont recruté des joueurs camerounais, ils ont gagné la Coupe africaine de la CAF. Donc, comprenez que lorsqu'on investit, lorsqu'on a des moyens, on a des résultats. Et nos dirigeants de clubs, la plupart, vous discutez avec eux. Si vous invitez 20 présidents de clubs sur ce plateau, ils parleront de la même façon que M. Kamdem. C'est-à-dire, tous ont le sentiment que on voudrait leur arracher leurs choses. Arracher quoi? Et c'est ça le danger. Ah, ah oui, et moi je dis, c'est que la fédération doit faire, parce que c'est la fédération qui doit mettre un terme à ça. Ouais. La fédération doit mettre sur pied un programme de concentration des clubs pour éviter qu'il y ait des disparités de clubs dans les villes. Moi, j'estime qu'une ville comme Douala, quand vous prenez un club, je parle pas, quand je parle, c'est pas seulement de Astres, de Union, prenez un club comme Botafogo, qui est en première division. Mais allez demander à Botafogo quel est votre budget annuel. Il y a de cela 2 ans, Aigle attendait les subventions de la Ligue de football professionnel pour enregistrer le club, pour payer les frais de licence. Vous trouvez ça normal pour les clubs professionnels? Alors, que la fédération soit capable de dire à la Ligue de football professionnel... Une ville, un club, par exemple? Non, pas forcément une ville, un club, mais on peut faire en sorte... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que les clubs Union... Il a parlé tout à l'heure. Imaginez, par exemple, une ville comme Douala, avec une équipe de Douala. Imaginez Yaoundé, quand je dis une ou deux équipes. Vous savez ce que ça peut donner en termes de... Même de supporters. C'est-à-dire des supporters qui achètent, qui font du merchandising, qui achètent les gadgets du club. Vous savez ce que ça peut donner? De façon pratique, ceux qui sont les tués. Voilà. On va pas tuer. Voilà, il parle toujours des tués. Parce que si on vient dans le club... On est là, vous dites qu'on parle à la réalité. Vous êtes là. Même les tués aussi, même proposition. Moi, en fait, pour ceux qui sont là, on s'associe à eux pour faire quelque chose de grand. C'est ce que je dis. Moi, ce que je souhaite, c'est que le général ne s'arrête pas seulement au Parce que la Ligue veut passer même avant le club. Hein. Voilà. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne s'arrête pas, qu'il essaie aussi de voir du côté des multinationales. Et qu'on essaye, d'associer des gens qui ont l'expertise franche pour pouvoir, nous, à l'instar de M. Mbappé qui est assis, pour pouvoir faire évoluer le football camerounais et puis retrouver ses gloires d'antan. Voilà. Un dernier mot rapidement. Je salue. Docteur Mbappé. Oui, je crois que la dynamique est lancée. Le général va rencontrer le patronat. C'est déjà une chose. De ce patronat, on attend le sponsoring. On attend une ouverture au capital, donc une souscription au capital, un actionnariat, et éventuellement un mécénat. Maintenant, du côté des clubs, il faut changer de culture. Il faut comprendre que c'est désormais un fonctionnement en société. Voilà. Ça veut dire qu'il faut des états financiers fiables, il faut publier les bilans, les comptes de résultats. C'est toute cette visibilité, et traçabilité qui crée la sérénité et ramène la confiance au sein, n'est-ce pas, des potentiels investisseurs ou au sein des potentiels épargnants. D'accord. Alors, du moins, à titre provisoire, c'est que le général doit penser à faire. Parce que quand il prend l'argent de l'État pour donner aux dirigeants des clubs, il faudrait qu'il sache que cet argent-là, c'est les fonds publics. Que désormais, ces dirigeants-là soient comptables de la gestion devant le Sénat. D'accord. La Ligue professionnelle se propose de créer une direction nationale de contrôle des gestions, comme ça se fait à la Ligue professionnelle en France, qui va être mise sur pied dans les voyages. D'accord. En fin d'émission, quelques secondes. Les gens sont dans un rêve avec les yeux ouverts. Merci. Quelqu'un qui gagne 120 millions pour une saison, vous lui donnez 20 millions et vous dites qu'il va aller justifier. Merci, Serge Kamdem. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine.